Et nous sommes donc de retour en direct de la Skyline pour le dernier match de ce soir pour clôturer la soirée de la Skyline, j'ai dit. De la Reflect GT, pourquoi la Skyline, tu sais? Oh, je sais pas, c'est des souvenirs, bref, en direct de la Reflect GT, non mais moi j'ai un an de retard, tu sais. Et donc on est de retour, donc bah, c'est le dernier match de la soirée, c'est pour ça que je commence à être un petit peu teubé. En tout cas, je suis avec le One bah, pour conclure un petit peu cette soirée. Franchement, ça a été une journée un petit peu éprouvante, je sais pas ce que t'en as pensé. Toi qui n'as pas trop l'habitude de caster, t'avais casté avec Koga la Formule 1, ça date de chez. Ça fait combien de temps? Genre 3-4 mois? Enfin voilà, un petit avis sur le cast, je sais pas, un petit truc, tu vois. Bah, quand à la Formule 1, on n'avait pas casté autant de matchs. Enfin, on avait pas, il y avait beaucoup de matchs, tu vois, mais en gros, Pourquoi t'as fait ça? En gros, il y avait beaucoup de matchs à la Formule 1. Là, il y en a beaucoup plus, mais le truc, c'est que là, on tourne en fait dans les commentateurs, donc. Ouais, ça va, c'est quand même respectable, je suis pas trop crevé. Il y a moyen de... Non, je suis un peu crevé quand même. Bref, tu fais un peu le bon. Tu fais un peu le malin devant le stream. Bref, bah écoutez, dernier match de la soirée, comme on a dit, donc AAA contre I4L, donc les Ikratofumos, c'était les Infamous, donc avec Josh, Vintage, Tomé et Bissell qui est en pick-up. Donc, enfin, de toute façon, à la base, c'est une équipe pick-up, il me semble. Quoique ils ont tous le tag, je sais pas sur live si Josh, en tout cas je sais pas si c'est un line-up officiel vu que Tomé s'était fait virer, Josh parvenait pas à trouver d'équipe donc ils ont formé cette line-up là. Je sais pas ce que t'en penses sur le papier, honnêtement ça donne envie d'en voir plus, mais je sais pas réellement s'ils ont vraiment une osmose, je sais pas s'ils sont entraînés ensemble. Josh, comme je l'ai dit tout à l'heure sur Twitter, a annoncé qu'ils allaient gagner cette LAN, pour eux c'est top 1 garantie, donc on va bien voir. Bah, c'est une équipe quand même où il y a beaucoup d'anciens, même dans la game, c'est des mecs qui sont joués limite sur Code 4 au début. Bissell, c'est un ancien. Vintage, c'est vraiment un mec qui a arrêté pendant très très longtemps, parce que je crois qu'il a été... bon, ça intéresse pas trop, mais il avait genre été pilote ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est bon en plus. Et voilà, donc du coup là, il est revenu encore une fois pour une LAN, mais il fait plein de petits trucs comme ça, il fait des petites apparitions en LAN. Antomé, je pense quand même, c'est le plus connu en face, enfin surtout vu aux yeux des Français, pardon. Et bon, après, je pense que les autres au-dessus, on n'a pas à les présenter, les AA, il n'y a vraiment pas à présenter, on les connaît tous, donc voilà. Ouais, t'as tout résumé quoi. T'as tout résumé, donc bah, de toute façon, je sais pas ça va être quoi les maps, hein, puisqu'on a toujours pas le bracket avec nous. Donc j'espère que demain, au pire, on aura les maps. Ça pourrait être sympa à chaque fois de pouvoir faire un petit pronostic sur les cartes ou quoi. Bon, c'est pas très grave dans tous les cas. Je crois qu'ils vont peut-être recréer, je sais pas trop ce qu'ils font. Non, ils ont lancé la map, bah, ça va être une nouvelle fois Hijacked. Ouais, Hijacked, map assez. Bah, enfin, c'est la plus petite du jeu. Map quand même, je trouve, un minimum aléatoire. Je crois que Tomé a du mal à ce co. Ah non, c'est bon, il est là. Tomé est là. Donc on va partir, on part avec Gotha. Gotaga qui part avec son couteau. Ils vont sûrement aller jouer le point middle. Hein. Point middle, il balance quand même un peu tout ce qu'ils ont dans les poches. Conflit, middle, il y a du monde sur le point. C'est clean, double de Broken, kill de Vintage, kill de Tomé, kill de Josh. C'est le triple, three down pardon, du côté des AA. Et tout le monde a respawn, Tomé est toujours sur le point. Ouais, comme tu l'as dit, hein, Tomé qui vient de faire un double, il dit oh là là, Broken avec le double à la Semtex, il a essayé de reprendre le point, mais Vintage immédiatement qui fait le frag. On va essayer de passer du côté de Gotha qui est sur ce HP, il vient de faire un énorme double avec justement sa Scorpion, mais Tomé déjà qui... Il commence à trash talk Tomé, on le connaît, hein, il est vraiment c'est grand, un petit peu une grande gueule, tu as joué avec lui, il me semble, pendant une petite période, et c'est vrai que oh là là, Tomé qui met le feu, ils ont vraiment envie de mettre le feu à la salle, hein, pour ce dernier match. Tomé qui enchaîne et qui enchaîne, regarde juste les scores, ça fait une minute même pas que la game est lancée, et Tomé a 8 kills. Tomé a 8 kills. C'est quand même impressionnant d'arriver à jouer contre les AA et faire 8 kills en même pas une minute de jeu. C'est quand même assez impressionnant. Et on va regarder donc tout de suite, on va essayer de passer peut-être sur le P2, on va voir si justement la transition a été faite. Les joueurs d'Infamous qui sont un petit peu en retard, il me semble que les AA sont en bonne position puisqu'on voit au niveau du back, hein, que ça doit contrôler. Je pense que c'est sûrement Azog qui se fait tuer là, Gotha justement sur ce HP avec Josh, hein, avec son mate là, Tomé qui sont plutôt bien placés. Josh qui ne parvient pas à faire le kill, Broken il faut qu'il fasse le frag, il est en série de 3, ça contrôle le HP, 33-18 dans cette partie, c'est vraiment serré. Broken qui a l'intelligence de jeu de se retourner, mais deux joueurs des Curse, hein, d'Infamous qui contrôlent. Ouais, et puis ça, les points tournent, et sur cette map, tout le monde sait que un point est très très important, c'est rare que ça dépasse les 150 limites.
Et là, Bissell qui fait le spectacle, sa gueule un peu de partout sur le main stage. Ah, j'ai vraiment l'impression que les joueurs anglais ont vraiment envie de battre cette équipe DA. Double kill côté Gotha. Ça enchaîne côté Broken hein, qui venait de faire un frag agonie hein, qui est sur le HP, il me semble. Ouais, il est en bonne position au niveau justement de la muscu. Il parvient pas à faire le kill à Josh qui a fait une énorme décale. Broken qui est toujours sur son HP en série 2. Gotha, qui fait un bon taf. Il a développé sa facilité. Je sais pas si c'est vraiment voulu d'avoir ce score strike. Mais en tout cas, ils reprennent des points. 42-47 dans cette partie. La transition devrait être faite d'ici quelques secondes. Ouais, là on peut les voir quand même qu'ils ont bien recollé. Je disais qu'ils avaient un peu de retard. Là, bam, 46-48, c'est quand même pas mal collé. En bas, ça va vraiment jouer le conflit. Broken qui fait le kill. Tomé qui fait tomber Broken. Tomé qui fait le double. Et Gotaga qui stop Tomé. Vintage qui lui, quant à lui, stop Gotaga. J'ai envie un petit peu de voir justement hein, ce que peut faire Vintage, l'ancien, on va l'appeler comme ça. Broken qui vient de faire le kill, en tout cas on va repasser justement sur Bissell qui continue hein, de jouer le conflit avec son mate. Ils sont bien placés, je sais pas avec quoi ils jouent, non c'était un B23R. Enfin, en deux ans je croyais qu'il avait eu notre arme, en tout cas Tomé hein, qui continue d'enchaîner. On va re-regarder les scores rapidement, il est en série 4, il faut rester sur lui. Hein. Tomé là, il fait quand même une petite démonstration depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est sa map. Il s'arrête pas depuis, c'est rare qu'il y ait vraiment des feeds sans Tomé, je crois que c'est limite la seule. Il arrête pas de kill, il est déjà à 16 kills sur le kill de Broken. Et j'ai l'impression que les duels sont faciles pour lui. J'ai l'impression que c'est d'une facilité déconcertante pour lui. À chaque fois qu'il y a un duel, il le remporte. Et à chaque fois, limite, ils sont deux. Encore un kill sur Azox avec ce énorme headshot, il débloque en plus ses strikes. 61-46 dans cette partie, il reste plus que 3 secondes. Et la transition normalement devrait être faite. Mais Broken qui est en bonne position au niveau de l'échelle, il va peut-être essayer d'avancer. Mais des joueurs justement d'Infamous qui sont déjà en place sur ce HP. Pour voir Bissell là qui vient juste de se faire tuer, il était en série de 5, peut-être voir s'il a pas débloqué quelque chose. Zankyo, et il a débloqué le foudrement et l'Hellstorm. Ça va être très très important, surtout pour le point qui va arriver juste après. Et là on voit Josh qui essaie de la jouer très agressif hein, sur le HP, il parvient pas à faire le kill. Je crois que ça a envoyé peut-être un foudrement justement devant la porte. C'est bien joué de la part de Tomé hein, qui est déjà à 20 kills. C'est énorme ce qu'il nous fait là. Et Broken qui est en série de 4 justement sur ce HP, il a débloqué une nouvelle fois une RCXD et son Hellstorm. On va regarder une nouvelle fois les scores pour voir un petit peu ce qu'il fait Broken. Ouais, c'est le seul vraiment, je sais pas c'est qui côté AA, c'est Azox hein, qui a un petit peu du mal à rentrer dans cette partie. Ouais, on peut voir là Azox en 3-12, c'est rare de voir Azox sortir des games comme ça. Azox c'est on va dire un peu le mec vraiment très très sûr dans une équipe. Et là, j'ai l'impression qu'il se balade vraiment à la SMG. Juste avant, Bissell est rentré dans la cuisine, il en a tué un devant lui, un derrière lui, et puis c'était normal pour lui. Fin... Et là, en plus, on vient de voir, il est rentré une nouvelle fois là. Josh, et encore Josh qui vient de faire le double là, juste avant, il continue d'enchaîner maintenant. Bissell qui envoie ses strikes justement sur le P1 pour éviter que Broken prenne ce point. Azox et Broken qui se font avoir. Gotha qui était bien placé, mais malheureusement. Ouh là là, encore une fois, Bissell. Hein. Ils sont vraiment en forme là, les joueurs d'Infamous. Ça se voit qu'ils ont vraiment envie de battre cette équipe des A. On va repasser du côté de Josh qui est sur ce HP. Bissell qui déploie son Hellstorm. Il tue son mate au passage, mais c'est pas très grave. Oh là là, une nouvelle fois, Bissell il débloque son foudroiement. Et là, c'est bien joué hein, ce qu'ils font. Les Hellstorms qui sont envoyés côté A, mais là, c'est vrai qu'ils ont un petit peu du mal, les joueurs des A. Au niveau en tout cas des duels, les Infamous sont vraiment au-dessus. Ouais, ils sont au-dessus. Vu qu'ils sont au-dessus dans les duels, ils ont beaucoup plus de strike, tout ça. Et ça va très très vite. J'ai l'impression qu'ils, je sais pas, ils jouent pas, ils ont quasiment pas joué pour être honnête, à part la dernière semaine. Et ça, c'est déjà très très bien huilé. Hein. Bien joué en tout cas de la part d'Agony hein, qui essaye de reprendre des points. 95-82 dans cette partie, tout va bien pour le moment pour l'équipe française. Azox qui fait le kill, je pense qu'il est en train de remonter justement dans cette partie hein. Il a déjà pris 3 bons kills. Il se rend justement sur le prochain HP, il a pris une MP7. Donc peut-être il va essayer de se la jouer un petit peu plus agressif hein. Je sais qu'Azox disait que c'était très compliqué de jouer à la lourde sur cette map. Donc après justement peut-être il se réadapte en fonction du style de l'équipe adverse. Gotaga qui prend les spawns avec sa scorpion, ça rush sur la droite. Il le sait, il fait le kill sur Bissell. Tommy qui est toujours sur ce HP hein. On va re-regarder les scores bientôt, le 30 bombes pour Tomé. Ouais, Tomé très très dangereux, hein. Comme sur tous les jeux, Tomé ça a toujours été l'anglais le plus, on va dire, skill. Et là, il démontre encore une fois, individuellement, il roule un minimum quand même sur les AA, Tomé tout seul. Peut-être pas son équipe, c'est très serré, mais Tomé il se balade un minimum. Et là, Gotaga, qui fait le triple foudrement. Peut-être Gotaga, voir les stats de Gotaga avec 8 kills d'affilée. Gotaga qui est passé maintenant devant Tomé, c'est un peu du Gotaga versus Tomé. Ah, c'est un petit peu comme tout à l'heure hein, quand on disait qu'il y avait du Gotaga contre Carnage. Là c'est vraiment du Tomé contre Gotha, les deux beasts on va dire de cette équipe en termes de skill comme tu l'as dit. On va en tout cas suivre là les joueurs des Curse qui ont fait la transition. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Gotha qui vient de prendre un bon frag justement au niveau du souterrain. Vintage qui fait le kill. Broken hein, qui va récupérer ses 4 dernières secondes très tranquillement. Josh qui est déjà hein, à chaque fois hein, en revanche les joueurs des Infamous qui font vraiment cette transition à chaque fois au niveau du souterrain. C'est ça qui fait la différence. Josh qui fait le frag, ça continue d'arriver. Broken il faut qu'il fasse le frag hein. Josh il hésite pas à challenge, mais Gotha on va passer sur lui parce que là il avait justement débloqué tous ses strikes, il avait déployé sa machine de guerre. Et Broken là qui lance son RCXD qui fait le kill sur Vintage. Azox, on va le suivre peut-être un petit peu. Azox
Bon, ça va pas durer longtemps malheureusement pour lui. Gotaga qui team kill Broken, et là ça va très très vite. C'est full team et ça redescend encore une fois très très vite. Le conflit ça continue, Josh qui fait le double. Encore une fois le conflit, Gotaga qui tue Tommy avec son patator et Agony qui tue Josh. Et je sais pas si tu as vu hein, mais les AA en tout cas étaient revenus au score, alors que c'est vrai qu'en termes de kill j'ai l'impression que le côté Infamous c'est vraiment au-dessus. On va re-regarder rapidement les scores. Je pense que c'est en train de remonter en tout cas Tommy. C'est vrai qu'il est un petit peu redescendu dans la barre des feeds on va dire hein. 32 frags côté justement Gotaga et Broken, tous les deux en 30 bombes, Azox et Agony qui ont un petit peu du mal à rentrer dans ce match, mais ils jouent l'objectif et c'est ça qui paye pour le moment puisqu'ils ont toujours attention, le lead. Ouais, de l'autre côté, j'ai cru voir que c'était Vintage qui était pas vraiment à la fête du côté Infamous, ça se passe pas très très bien pour lui. Une map assez compliquée pour lui, hein. Normalement, si je me trompe pas, Vintage à l'ancienne jouait vraiment à la lourde, mais de chez lourde, c'était une toute petite sensi et le mec jouait vraiment très très bien. Une map compliquée pour lui, mais après à voir dans les SND un peu comment ça va se passer. Cette map c'est un peu compliqué, on va dire, même à cast, hein, faut être honnête, à commenter. Des kills tout le temps, tout ça, c'est super rapide et on va voir un minimum après un CND quand le jeu sera posé. Et là, les AA qui prennent un peu le dessus. Ouais, c'est bien joué de la part des AA. Gotaga qui a bien fait de regarder cette porte au niveau du mid. Il a pris un frag. Broken maintenant qui va prendre la place de Gotaga. Ça arrive dans le bac hein, puisqu'ils ont toujours les spawns là, les joueurs d'Infamous. C'est bien joué de leur part. Je pense que c'est Vintage justement qui a pris ses spawns. Bicep qui avance avec sa MP7, viseur laser. Ça déploie des fumiers. Hein, mais là, une nouvelle fois, on voit hein, cette position là qui est très efficace hein, puisque personne ne le voit à chaque fois qu'il rentre. Justement devant cette porte, trois joueurs des Curse, des Infamous, pardon, qui contrôlent ce HP. Et franchement, ça risque de faire mal par la suite parce qu'on a vu Bicep qui avait quand même son foudroiement et son Hellstorm. Ouais, peut-être faire encore un petit tour au niveau de, non juste des streaks, voir un peu qui, si quelqu'un a quelque chose dans la poche, je crois pas qu'il y ait grand monde. Il y a Broken, ouais bon ça c'est pas grand chose. Je vais voir juste un foudroiement chez Bicel, ça va être lancé dans pas longtemps, ça va tomber. Est-ce qu'il va faire du kill? Il fait 2 kills et c'est déjà très très bien. Ça permet un peu de clean la zone, il y a quelqu'un dans le blanc, Gotaga le sait. Et Gotaga se fait tomber par Josh. C'était bien joué de la part de Gotaga, hein. Il était un petit peu bloqué justement dans cette position. Il a réussi à rester en vie, il y avait un joueur qui était en cabane qui l'avait tiré. Il avait bien joué mais au final il s'est fait avoir. Bicel pendant ce temps là qui essaye de contrôler ce HP, il arrive à prendre le frag hein. Alors que deux joueurs DA étaient sur lui, Josh hein, qui essaye tant bien que mal de rester sur ce HP. Gotaga en tout cas qui reprend vraiment des bons points pour son équipe. Il challenge Tobé hein, mais Tommy vraiment qui est vraiment une fire depuis tout à l'heure. Il continue d'enchaîner avec son équipe. Ils reprennent bientôt l'avantage à 4 secondes de reprendre. Tommy qui continue d'enchaîner, 35 kills de l'autre côté. Gotaga 43 frags, Tommy au niveau de la cabane. On sait à quel point justement cette position est très efficace. Ah, et puis là on peut voir la game qui est très très serrée. La game va sûrement s'en jouer encore une fois peut-être dans les 10 dernières secondes. Sûrement sur le prochain HP, il reste 50 secondes et il y a le prochain HP, c'est lancé dans une seconde. Ça va être très 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 chaud pour les AA. Ah, ça va être très chaud, mais là Josh qui s'est fait avoir, mais Vintage qui continue de contrôler les spawns, mais bien joué de la part de Azox, hein, justement qui met fin à la série de Vintage qui avait fait tourner les spawns. Azox, là ça va être son rôle hein, justement de checker la gauche pour donner les spawns à son équipe, ça va leur permettre de prendre des bons points, mais Josh et son équipe qui ont avancé tout droit, ils sont rentrés sur le P2 et l'énorme décal de Gotaga encore, je pense qu'il est bien parti pour faire un 50 bombes peut-être sur la fin, 47 frags, il va peut-être clutcher une nouvelle fois pour son équipe, il a déjà fait la Skyline contre les Millennium et ça continue, hein, il fait des frags, le double pour Gotaga, il sait que ça arrive sur la gauche, peut-être le triple, ça va encore enchaîné, Broken qui est sur l'HP, je sais plus sur qui passer. Josh, il reste 11 secondes, ça va jouer sur la fin. Josh qui vient de faire le trip pour son équipe. Il va clutcher le double encore. On va repasser du côté de Tommy qui fait encore un frag. 164, 165, ça se joue sur la fin. Broken qui fait le double. Et Broken qui clutch pour son équipe. On fire, Broken qui sauve son équipe. Oh là là, les Français qui se lèvent, Agony qui met le feu. Broken également. Ça a trash talk de tous les côtés. Tommy qui était on fire et au final, c'est les AA. Pourtant au niveau d'équipe n'était pas en tête, mais sur la fin ils n'ont rien lâché. Énorme. Broken là qui sauve en fin de game. C'est... Waouh. Gotaga 50 kills. À noter. Et derrière Broken à 41 kills qui est quand même très très raisonnable. Énorme. Franchement je suis sans mots, tu sais, j'étais là. Comment il fait 50 frags en face? C'est Tommy, il était à 40 kills limite à moitié de game, il était à 30 frags. Gotaga est repassé devant avec ses strikes, il fait un 50 bombes. Broken sur la fin qui tape une énorme décale, il fait un premier frag. Josh qui fait le triple, il revient sur le point Broken et il fait un double. Il permet à son équipe de remporter cette partie du grand art. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Les deux équipes, franchement, ça annonce du lourd en tout cas pour cette SND. Ouais, la SND, ça va être bon, déjà plus compliqué d'être aussi serré que ça, je pense. De se jouer comme ça dans le dernier kill, Broken il a été présent dans la game et en plus de ça il libère un minimum son équipe à la fin parce que Josh et Tommy à la fin ils étaient vraiment présents sur le HP et il a vraiment bien joué à la fin. Je pense que Josh à mon avis sur la fin il s'est dit j'ai fait triple, limite on avait l'impression que les joueurs d'Infamous allaient se lever et ça y est on a gagné, ça commençait à trash talk un petit peu et au final ils ont vite déjanté. Broken est rentré sur le point, il a fait le double, il a fait le taf et il permet à son équipe de remporter cette première map. Ouais, la prochaine carte, est-ce qu'on sait ce que c'est? La prochaine carte? Non.
Il y a pas qu'un... T'as, vous avez commenté juste avant une jaquette, non? Meldon, non? SND Meldon, alors je pense que ça va être SND Meldon puisque c'est le même round que tout à l'heure, donc quand les Avengers avaient joué. Donc peut-être un petit pronostic, toi, après cette map, au niveau du momentum, quand même, ça fait plaisir de remporter une partie comme ça à 3 secondes, 2 secondes, même limite 1 seconde. Sur la fin, ça s'est joué vraiment à rien. Est-ce que tu penses justement que, au moral, pour l'Infamous qui était vraiment à fond en première game, est-ce que tu penses que ça va les faire redescendre un petit peu et que les A vont en profiter? Ouais, évidemment, après, surtout le trash talk qui fait beaucoup, on peut le voir là, à la fin, c'est. Ça y fait quand on est joueur et pour moi, ouais, là maintenant je vois les A poser peut-être leur gens SND. Il faut faire gaffe à des gros clutchers en face. Bissell, Josh et Tomé, c'est que du clutch. C'est des anciens, ils sont là depuis je sais pas combien d'années sur Call of Duty. Bissell, on en parle, hein. Même toi tu joues avec, il me semble, pendant un moment. Donc c'est pour dire à quel point le joueur est présent. Vintage, c'est vrai qu'il n'était pas spécialement dans sa game, je sais pas réellement son temps de jeu. Je pense qu'il est plus là en pick-up, voilà. C'est vrai qu'à l'époque c'était une beast, hein, on peut le dire. Mais peut-être que là, c'est vrai que le niveau a augmenté en tout cas. Ça prouvait quand même du lourd par la suite. Donc SND Meldon, je sais pas trop quoi en penser, je sais pas toi de ton côté Lolo, mais on l'a vu tout à l'heure, c'est. Moi pour être honnête, c'est vraiment ma carte à SND que j'aime pas vraiment. Après, c'est une map je trouve très très fermée. C'est. On voit déjà ce qui se passe en 5 secondes quoi sur la map. Donc c'est assez compliqué à rusher. Bon, c'est pas mon point fort mais voilà quoi. Ah bon? Tu campes toi? T'es un campeur? Non mais en tout cas on va voir ce que ça va donner. Moi personnellement c'est vrai que là après cette victoire je me dis Léa doit vraiment être super motivé. Moi perso j'aurais le smile. Mais il faut qu'ils fassent attention, tout à l'heure ils avaient l'avantage 2-0. Ils se sont fait remonter 2-2 contre les Millennium. Il faut pas qu'ils fassent la même erreur. Ouais et en plus je pense que contre eux ça va être encore pire. Parce que Tommy c'est un mec qui quand il est parti quoi. On l'a vu sur dans la game, il a fait 8 kills, il en a fait 40 quoi. Ça, hein, donc faut vraiment pas laisser Tomé se mettre en confiance parce que sinon après ça devient vraiment très très dangereux. C'est un peu pareil comme pour Gotaga et en plus de ça il a fait 50 kills donc voilà. Moi, je pense que 50 kills est quand même en forme, on va dire, voilà, 50 bombes contre Tomé. Un petit ratio quoi. C'était du classé pour lui, hein. C'est limite c'était ça en termes de ratio. Broken derrière qui a bien suivi. Et c'est vrai qu'en termes de ratio c'était assez impressionnant alors qu'au début on était à fond sur Tomé et au final Gotaga qui est venu de nulle part. On n'avait pas vu hein. Et au final 50 bombes. Il permet à son équipe en tout cas de s'assurer cette première map. Ouais. Bon, j'ai l'impression que si on attend un peu les joueurs, ça doit sûrement faire les classes, pardon. Quelque chose à rajouter. Je sais pas. Non, je sais pas, n'hésitez pas bien sûr à soutenir une nouvelle fois. C'est le dernier match de la soirée, donc Team France. Desserto Live, le hashtag, si vous voulez soutenir bien sûr Léa. Et je crois qu'ils étaient en top tendance, on m'a dit tout à l'heure justement sur Twitter. Ça montre à quel point vous soutenez cette équipe quand vous jouiez, quand ils jouaient contre les Millennium. Donc ça montre à quel point justement la communauté française pardon, est vraiment investie tout de même dans le Desserto désormais. Donc ça fait réellement plaisir, c'est le dernier match. On sera présent demain, je sais pas aux alentours de quelle heure. Je pense que ça sera le matin, peut-être aux alentours des 11h si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y aura encore beaucoup de matchs. C'était la première journée, mais honnêtement en première journée d'habitude c'est un petit peu des matchs de poule, pas très intéressant, mais là pendant toute la journée on a eu droit à un show exceptionnel. Ouais, parce qu'il y a vraiment beaucoup de grosses équipes. Il y a combien d'équipes en tout? 17, c'est ça? Il y a 17 équipes, je pense qu'il y a au moins 12-13, pas top team, mais grosses équipes quoi. Donc à chaque fois il y a des surprises, comme tout à l'heure les Avengers qui ont tapé les Fariko. Il y a plein de petits trucs comme ça et ça change des LAN où le premier jour c'est que de 2-0 en best of 3 quoi. Je trouve ça beaucoup mieux. Après c'est sûr que quand on est joueur c'est beaucoup plus compliqué. Donc la map ça va être du slums. Ah bah je sais pas ce qui se passe. Slums en SND? Non, ça existe. Ah ouais? Non, je pense que c'est... Si ça existe. Bah oui. Je l'ai pas viré. Ah, je l'ai pas vu depuis un moment hein, honnêtement. Ouais. Slums, pour ça. Donc Slums en SND, ouais, c'est ça. Ça. Ouais, donc Slums en SND, ça va être joué. Côté AH, je sais plus trop ce qu'ils font. Normalement, Broken, ça va dans le bleu. Enfin, bon, normalement, celui qui a le meilleur spoon sur la gauche, en défense, qui y va. Celui qui pousse côté ouais. Ça dépend un petit peu des spawns. Quoi. Ouais, ça dépend des spawns, quoi. Cette map, elle est vraiment bizarre pour ça. Et à chaque fois, un mec, il spawn tout seul à gauche. C'est pour ça que moi, il me semblait qu'elle avait été supprimée, parce qu'il y avait des problèmes de spawn, un petit peu comme Plaza. Et en plus elle est un petit peu désavantagée d'un côté, enfin elle est un petit peu bizarre cette map, autant en CTF elle est jouable. Mais je trouve qu'en SND personnellement c'est pas une map que j'affectionne, tu vois. Ouais c'est vrai que quand on est bien posé en défense derrière la fontaine, derrière les briques à droite ou même dans le bleu, c'est assez compliqué mais après ouais c'est
tout de même une bonne map en SND. Moi, pour être honnête, peut-être une de mes préférées parce que ben, justement la défense et c'est assez compliqué et voilà. Alors que les joueurs, je pense, je regarde rapidement ce qu'ils font, normalement ça devrait être lancé puisque leurs classes ont l'air d'être prêtes. On va lancer ça de toute façon d'ici quelques secondes. Donc je regarde vite fait les scores et je regarde juste l'écart qu'il y a entre genre Gotaga et les autres, c'est abusé. Surtout quand on voit Vintage ou même Azox, c'est vrai qu'on a dit que Azox avait un petit peu du mal. On peut revenir un petit peu sur ça, c'est vrai que c'est pas dans l'habitude de Azox, c'est le joueur le plus régulier, on le voit quasiment jamais en négatif. Même s'il va pas être en plus 10, il va toujours être régulier, ça va être du neutre ou ça va être un plus 1, plus 2. Et là c'est vrai qu'il a eu un petit peu du mal, mais c'est vrai que Tomé c'est vraiment de l'individualité. Et je pense qu'au début je crois qu'il avait commencé à la lourde et je pense qu'il a switché par la suite parce qu'il en avait parlé justement ça à Azox qui disait qu'il trouvait que c'était un petit peu compliqué de se placer, de trouver des spots. Mais pour prendre les spots en tout cas c'est vrai que pour jouer l'encre on est quand même obligé d'avoir une AN, voire une M8. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont eu un minimum de mal à la fin. Ils ont eu bon, peut-être pas de la chance, ça a été bien géré, mais heureusement qu'ils avaient les spoons à la fin. Donc on va partir. On va partir sur cette SND Slums. On va se mettre du côté encore une fois de l'attaque. Je vois pas que ça charge. Je vois pas le chargement. Salut. Donc on a un petit disque illisible. Toujours plaisir. Les aléas du live, hein, on va relancer le jeu tout simplement, on va rejoindre la partie en cours, hein, de toute manière c'est pas très grave, ils auront juste 10 secondes à la limite d'avance sur nous. Je vais essayer de faire au plus vite, je te laisse un petit peu justement gérer le one, on va regarder rapidement, de toute façon nous on peut vous dire les scores en live. Voilà, on peut voir, si je me trompe pas, Broken à la bivande, donc je regarde vraiment de très très loin, hein, le temps que le jeu se relance, je regarde dans la salle, tout au fond je suis à 20 mètres, Broken, ils sont en attaque les AA, ils regardent pour l'instant du côté, Padre il est dans le garage, Broken avec son sniper B-band et pour l'instant il se passe pas grand chose pour être honnête. Il attend, la console est sur Black Ops, ça va pas tarder à revenir. Donc Broken et après maintenant sa SMG, ils vont peut-être commencer à rusher middle map. Ils sont middle map, ils arrivent sur la bombe du B. Broken qui regarde s'il n'y a pas du monde au fond sur les sacs du côté Padre. Broken qui attend toujours, il va derrière la bombe et il va faire comme s'il plantait mais il va se relever au sniper. Et il a pas pris le kill, il s'est fait tuer. Je vois pas vraiment qui est-ce qui fait des kills, je suis vraiment désolé, on est en train de rejoindre la game de toute façon. Donc c'est reparti. C'est les aléas du live, honnêtement tout à l'heure on a eu un disque illisible mais c'était hors antenne donc ça a pas trop posé de problème. Je vais rapidement repasser en code casting, on va regarder qui c'est. Je crois que c'est Gotaga justement qui se retrouve en situation de 1v1, il a sorti la type 25, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir mais il me semble que Gota aime bien sortir cette arme en LAN. Ouais Gota c'est un mec qui aime bien avec, genre jouer à la haine, à des armes automatiques assez qui bougent pas trop. Et ça on va dire que je pense c'est un peu l'excellence dans les armes qui bougent pas beaucoup quoi. Surtout sans le viseur réflexe, elle bouge pas, il y a quasiment pas de recul. Et c'est pas la première fois justement sur cette map, en tout cas sur Slums, que je le vois l'utiliser. Et je crois que c'était dans un show match à un moment donné, il avait fait beaucoup de frags. C'était je crois pour la MLG, pour vous dire il avait fait beaucoup de kills. Donc en tout cas première manche remportée par les joueurs d'Infamous. Et on va donc resuivre tout ça. Donc on va se mettre du côté de l'attaque peut-être sur Tomé, voir ce qui se passe. Ça a été un peu le joueur de l'équipe, il a le snipe en plus de ça. Donc on va se mettre sur lui, ouais, ça a peut-être pas trop bougé au début. Donc peut-être se mettre sur un rusher non, dès le début. Qui rush, pas grand monde apparemment. Ouais c'est que du snipe, ouais c'est vraiment que de la tempo. Donc là ça va être compliqué pour pour dire ce qui se passe, il y a pas beaucoup de rush pour être honnête. Et donc on voit en tout cas Josh, hein. C'est vrai que pour parler un petit peu de leur strat, oh là là, Josh qui vient de mettre un gros headshot alors que Agony était en head glitch. Et c'est vrai que là c'est une strat un petit peu spéciale hein, qui nous font là les joueurs d'Infamous, ils ont pas envie de se jeter. Josh est pas très loin à mon avis d'avoir ses strikes, il vient de débloquer son RCXD. Je pense qu'il travaille peut-être justement sur son Hellstorm. Il doit pas être très loin, je sais pas trop en tout cas. On va voir, on va suivre tout ça. Bissell qui est au niveau du carré, Broken qui vient de faire un kill justement avec son sniper également. Il a le viseur B-band. Et là Gotaga qui vient de pousser sur la droite hein, de manière très agressive. Voilà, on peut voir Gotaga là maintenant qui va aller dans le carré, il prend un kill sur Bissell à gauche. Gotaga il sait qu'il est en danger, il se met au sol et il attend Vintage. Vintage en situation de 1 vs 3. Et ça s'est vite terminé, Broken qui prend le kill très très facilement.
Ouais, situation d'un V3, hein. Vintage qui a essayé d'avancer au niveau du padré, mais il s'est fait spotter directement et on a vu Gotha. Je pense qu'il s'attendait un petit peu à cette strat quand il a vu que ça avançait pas trop. Il s'est dit, je vais tenter la décale au niveau du padré. Il a fait un premier frag, il a dévoilé sa position, il s'est redirigé directement vers le middle. Et le joueur vraiment des Infamous, je sais pas trop c'était quoi cette strat. Deux snipers, honnêtement, sur cette map, ça peut être efficace. On a vu Josh qui a fait un kill, mais c'est pas personnellement le genre de strat que j'aime voir jouer en tout cas. Ouais, et puis en LAN, pour que ça passe, faut tenter. Enfin, tu vois ce que je veux dire, faut vraiment tenter des choses. Là bon c'était tenté mais c'était aussi c'était vite bloqué quoi. Là voilà Tommy qui fait le gros double qui va se planquer non et Brocadan tout seul en situation de 1v4 et qui est très très vite tombé par qui s'est tué pardon par Bissell excusez-moi. On a vu Tomé directement une nouvelle fois qui a avancé au niveau du padré, il fait le double. A chaque fois Tomé, hein, on le répète, hein, mais c'est vraiment un des meilleurs joueurs à l'époque Apex. Hein. Il n'a pas remporté de gel, mais il a fait tout simplement, il a remporté 4 réflexes GT d'affilée. Ça montre à quel point le joueur pèse dans YouTube. Comme Gotha, et ça montre à quel point justement il pèse dans l'e-sport. On va suivre en tout cas les joueurs d'I4L désormais et on voit une RCXD qui est envoyée dès le spawn. Donc on va la suivre, cette petite RCXD, pardon. Elle va aller sur la gauche, donc sûrement pour essayer de couper le premier rush des AA. C'est vite cassé. Maintenant ils savent où est le point rouge. Bissell qui a peut-être essayé de décaler, non, même pas. Il regarde juste derrière le B, ils prennent vraiment aucun risque en attaque. Hein. Ils prennent aucun risque, hein. Alors que c'est vrai que comme tu le dis, je pense qu'il faut tenter des moves. Je vais me mettre sur Tomé parce que peut-être il a une vue sur quelqu'un, mais non, il se fait tomber. Josh aussi, hein, qui joue avec surarmement, il va peut-être tenter une décale au niveau du middle, mais je pense que Broken l'attend. Superbe kill, hein, sur Azox. Il est venu au mauvais moment, le petit Azox. Là, c'était un petit peu dommage pour lui. Là, ça s'est vraiment joué sur le timing, mais bien joué en tout cas de la part de Josh. Il pète le système Trophy, c'est bien joué de sa part. Gotha qui fait un kill de l'autre côté, Vintage avec son sniper aussi qui fait un frag au niveau du padré. On va les suivre en tout cas. Situation de 2v2. Est-ce que Josh et son mate vont tenter quelque chose? Il faut qu'il pose la bombe. Josh qui fait le kill sur Gotha, Gotha qui s'ajoute très agressif alors qu'il n'a pas besoin de se jeter, c'est ça le problème. Ouais, c'est un peu le problème des Français, même des joueurs un minimum agressifs, c'est que bah, des fois ça va passer comme la manche d'avant où il a fait 2-3 kills si je me trompe pas, et là ça passe pas parce que bah, justement il a fait juste avant, c'est dommage pour lui, sinon c'était bien tenté. Hein. C'est bien joué mais c'est un petit peu gourmand. Il aurait pu rester avec son mate, rester au niveau de la statue et au final ils perdent la manche. Broken qui se retrouve en situation de 1v2, c'était trop compliqué pour lui. Ils ont totalement contrôlé ce HP, le P1 en gros. C'était vraiment trop compliqué. Mais c'est vrai que là c'est ce genre de move. C'est pas pour critiquer, c'est pas une critique, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de joueurs comme ça essayer de trop challenge, de jouer le héros en quelque sorte. Et dans ce genre de jeu on peut pas trop se permettre. Ouais, surtout quand on joue une équipe comme ça et que derrière bah, les mecs ça pardonne pas derrière Josh, bah, ça a vite été séché Gotaga malheureusement pour lui quoi. Et on va repasser donc du côté des AA pour voir un petit peu ce qu'ils font en attaque. Bissell qui fait déjà le premier frag pour l'équipe justement d'Infamous. Derrière c'est Azox qui fait le frag. Ça a essayé de passer une nouvelle fois au niveau du carré, hein. C'est à peu près la même strat, hein. J'ai l'impression que les deux équipes se sont limite jouées avant le match pour vous dire c'est un écran. On voit Azox en tout cas qui va essayer justement de regarder le middle, hein. Il essaie un petit peu de jumper, il s'est fait UM. Il faut qu'il fasse attention, ça peut arriver un petit peu de sa droite. Est-ce que ça a fait le back? On va regarder un petit peu la carte. Non, c'est toujours Vintage, hein, qui est en place sur ce point B. Il me semble que c'est Bissell qui est au niveau du middle et Josh, hein, toujours qui est en train de scoper le bleu. Ça va peut-être challenge là à droite, Zankyo. Peut-être sur le côté de Bissell là, ouais, ça va sûrement challenge ici. Ça va pas tarder, voilà, ça arrive. Premier kill pris sur Broken. Derrière Gotaga qui venge Broken. Ça va être compliqué là pour les Anglais. Azox qui a tué Vintage, situation de 1v2 ou 1v3 pour Josh là? 1v2? Situation de 1v2, on va rester sur Josh, hein. Il avait quand même une bonne position, il fait déjà le kill sur Azox et là il a quand même un avantage. Et oui, là on entend justement Josh, c'est superbement joué de la part de Josh puisque il a la position la plus avantageuse, il est en hauteur, il a le head glitch, Gotaga ne peut tout simplement rien faire, je suis sûr qu'il voyait à peine un pixel. Ouais c'est vrai, là Josh c'est juste magnifiquement joué, c'est incontrable quasiment, à part si Gotaga, allez, il savait qu'il était là, il se fait mis derrière la bombe, enfin, c'est compliqué à gérer cette situation, Josh c'était juste incontrable, là Gotaga il est derrière, c'est soit Josh le rush et Gotaga, il essaie juste d'aider son pote, mais pile le moment où il jump, bah, son pote vient de mourir et donc bah, Josh enchaîne. Ah, c'est bien joué de la part de Josh en tout cas parce que ça montre à quel point quand même ces genres de joueurs ont de l'expérience parce que quelques joueurs auraient eu tendance à peut-être pousser et peut-être ne pas rester derrière ce head glitch et là Josh l'a fait de manière magnifique et là il envoie une nouvelle fois son RCXD, il va conduire ça tranquillement, on va voir un petit peu ce que ça va donner, juste avant il avait pas trop bien conduit, en plus il se prend une UM, c'est terminé pour son RCXD. J'avoue que là c'est vrai que ça va pas durer longtemps. Je sais pas si. Non, j'allais sortir une blague, mais je vais pas la faire. Donc, Josh là qui a pas duré longtemps, c'est son RCXD. Mais par contre, Josh qui fait pas mal de kills, 5 kills d'affilée, on va peut-être faire un tour au niveau des scores. Ouh, Vintage qui t-bag. Il en a peut-être eu avant aussi. Et Josh, lui, il a les poches pleines. Hein.
Et c'est le 5-1. Ça va très vite. Hein. Ça va très vite et ça montre à quel point, justement, hein, même s'ils ont perdu la manche d'avant, ça montrait quand même que l'Infamous était en place. Et là, sur cette SND, j'ai l'impression que c'est vrai que les joueurs d'EA n'ont peut-être pas trop joué sur cette carte. Je sais pas trop, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils jouent ensemble. Donc je pense qu'ils ont quand même pas mal pratice, pour dire pas mal entraîné sur cette map. Mais bon, c'est vrai que là, 5-1, je les vois vraiment pas revenir, à moins qu'il y ait vraiment un miracle. C'est vrai que là, ça a pas l'air de trop jouer en équipe côté AA. Ça avance un petit peu de manière individuelle, alors que de l'autre côté, ils sont pris un petit peu par le jeu, justement, de ces joueurs d'Infamous qui sont très passifs. Ouais, puis là, derrière, le truc, c'est que ça va être compliqué parce qu'il y a des, strikes du côté de Josh, si je me trompe pas, c'est ça? Des strikes du côté de Josh, donc bah, dès qu'il va y avoir un problème, voilà, on peut voir Josh. Josh, il se respecte même plus, il est carrément au fond de son spoon, au sniper, tranquillement, ils sont tous les quatre, au fond du spoon. Et le foudrement qui est lancé, Tomé qui fait le kick sur Gotaga. C'est très bien joué. C'est très bien joué. Ils jouent quoi? Ils leur laissent le middle de la map, ils restent dans leur spawn, ils envoient leur strike et c'est terminé. Ça servait à rien tout simplement de s'avancer, ils les ont laissés avancer, ils les ont tout simplement pris à leur jeu. Et c'est très bien joué, une strat limite assez exclusive qu'on vient de voir, c'est rare de voir ça, je crois que c'est la première fois. Et ça a payé puisqu'ils remportent en tout cas cette map 6-1, les joueurs d'Infamous qui recollent au score. Avec un très très grand Josh en 10-1, et de l'autre côté c'est agonie, hein, 1-7 malheureusement. Gotaga qui était encore une fois top killer, c'est à souligner. Gotaga qui est dans ce match, mais malheureusement c'est du 1-1 pour les Français. Là. On a vu Gotaga, hein, comme on l'a dit, qui a pris pas mal d'initiatives. C'était pas réellement une critique, c'est vrai que c'est ce genre de move quelquefois qui permet, hein, de remporter des maps. Mais là, c'est vrai que ça s'est joué pas mal sur le teamwork. Ils avaient leur strike par la suite, en plus les joueurs d'Infamous, donc c'était quasiment incontrable. Même si son RCXD a rien fait, le Hellstorm, le foudroiement et derrière Tomé qui était parfaitement placé pour faire les kills, a fait la différence. Donc là maintenant on va aller sur une CTF. La CTF, là ça va être encore une fois, je pense, un gros défi de stratégie. On a pu le voir. Là c'était que de ça, hein. Là s'ils gagnent c'est pas forcément que du duel, c'est niveau stratégie, ils étaient juste au-dessus l'Infamous, c'est ça. Hein. Et on va le voir, hein. Je pense peut-être justement sur cette CTF Red, peut-être les AA partent avec un avantage parce qu'ils sont peut-être plus entraînés, donc peut-être plus d'expérience en équipe que justement cette pick-up team entre guillemets, parce qu'ils ont quand même joué ensemble pas mal de temps, de ce qu'on m'avait dit, ils sont entraînés quand même. Si Josh à mon avis a annoncé qu'ils allaient gagner, c'est quand même, ils ont un minimum d'entraînement ensemble, je veux pas trop dire de bêtises, on sait jamais, mais... En tout cas, 1-1 dans cette partie. On aurait pu croire que les AA allaient bénéficier justement d'un petit peu de ce momentum et enchaîner sur une deuxième carte. Au final, 6-1. Je m'y attendais vraiment pas. Là, maintenant, moi, ce que j'ai peur, c'est que E-Jacket, j'espère que c'était pas vraiment un coup de chance pour les AA et qu'ils vont continuer dans leur lancée de HP et juste oublier cette SND et se dire allez, c'est 0-0 maintenant. Quoi. Ils peuvent très bien remporter la CTF et encore une fois le HP, hein, une SND c'est perdu, c'est sûr, c'est toujours bien quand même de gagner une SND, même si la plupart des équipes s'entraînent pas trop, c'est vrai. La plupart du temps ça reste du HP, à l'époque c'était la CTF s'entraîne un petit peu, mais c'est vrai que le HP c'est quasiment que ça, et la plupart des équipes c'est vrai s'entraînent pas en SND, et pourtant ça pourrait être justement un petit atout, se dire en cas de problème je gagne mon SND et je m'assure une map. Ouais c'est vrai, mais après la SND on peut pas l'avoir dans la poche de sûr, tandis que quand on est fort individuellement. Par exemple, les AA, dans leur équipe, ils ont vraiment beaucoup d'individualité. Ils savent que derrière, ils ont beaucoup de teamwork et en plus de ça, ils jouent beaucoup en HP. Donc c'est dur de les prendre en HP là. Et ça s'est vu, pourquoi ils ont gagné? Parce qu'ils ont eu les spoons et derrière, ils ont géré. Ah, comme tu l'as dit, ils ont vraiment bien géré. En tout cas, on va enchaîner sur cette troisième map. On a vu tout à l'heure, hein, les joueurs d'Avengers qui avaient joué justement cette CTF Red. On va voir ce que ça va donner alors que Diablo nous envoie sa casquette, sa petite snapback. Peut-être tu veux la mettre, non? T'es un petit peu gangster, voilà. Gangster Lohan, plutôt pas mal. Donc ouais, comme je disais, merci à Diablo pour cette petite intervention. J'ai bien aimé ce petit côté gangster comme ça, tu vois, ça m'a bien plu, tu vois. En tout cas, écoutez, on va enchaîner sur cette troisième map, ça fait trois fois que je le dis. Ils sont pas prêts, troisième map d'ailleurs. Troisième, je crois. Okay. Ouais. Donc la partie va se lancer tout simplement, donc on va repartir in-game tout de suite avec peut-être l'équipe des AA pour commencer. Ouais, je trouve qu'on les a beaucoup vus là dernièrement. On va se mettre côté Infamous alors. On va se mettre du côté de Tomé qui. On a vu beaucoup killer au début. Après, on s'était mis du côté AA pendant ce HP. Et puis après, la SND c'est vraiment allé trop vite. Ah, comme tu l'as dit, je pense qu'on va se mettre sur Tomé. Tomé qui sort la lourde en CTF. Il avait sorti la SMG tout à l'heure. C'est pas la même map, Jacket. C'est vrai que ça joue limite 100% en SMG. Et là, il va emprunter un chemin un petit peu sur la gauche au niveau du basket. Je pense que c'est plutôt bien joué de se réorienter par là. Parce qu'admettons, il n'y a personne là. Bissell va avoir la possibilité d'avancer avec son mate. Et là, on le voit, hein, sur la carte, personne n'est en position. Ça avance du côté du middle. Josh qui se fait tuer. Mais là, déjà, les joueurs d'Infamous qui sont dans la base ennemie.
Et le flag qui est pris par Vissel. Et là, ça va être compliqué à négocier pour le joueur AA. Mais si Azox, il est présent. Et en plus de ça, il a stun Vissel. Vissel qui est dans l'eau. Vissel qui press shot. Et maintenant, c'est broken contre lui. C'est bien négocié de la part des AA. Et c'est bien joué, hein, la stun. Il me semble que c'était la stun de Azox. Hein. Et Azox qui a vraiment limite clutché là. Parce que le flag allait être sorti. Josh qui se fait tuer par broken au niveau du basket. On va essayer de voir quel est le joueur le plus agressif. Je crois qu'il y a peut-être Vissel qui va essayer d'avancer au niveau du middle. Il est en tout cas en bonne position. Je pense qu'il va essayer plutôt de temporiser. On voit qu'il y a ses mecs au niveau de la gauche. Ça va passer peut-être au niveau de la cuisine par la suite. C'est au niveau du carré en tout cas. Hein. Situation un petit peu confuse là pour les deux équipes. Je pense qu'ils essayent un petit peu de temporiser. Ouais, ils se cherchent un minimum, c'est-à-dire voir où est la faiblesse sur la map. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'AA, ils ont compris que c'était le côté gauche, voilà, où Azox est en train de faire le trou ici. Il y a du monde chez les AA qui va sûrement toucher le flag. Voilà, c'est sorti par Gotha. Gotha à la lourde, j'espère qu'il a une SMG dans les mains, ou peut-être pas même. Ouais, ça se passe plutôt bien pour lui. Pour l'instant, il tue Vintage. Pardon, excusez-moi. Tommy, quant à lui, a tué Agony juste avant. Azox enchaîne sur Bissell. Et ouais, il enchaîne, et Tomé qui était au niveau du middle, au niveau du zigzag, il a fait le frag. Agony qui fait le kill, est-ce que le drapeau a été repris? C'est Azox hein, qui a le drapeau, il se fait tirer dans le bac, il faut qu'Agony fasse quelque chose là. Il peut peut-être toucher ce drapeau, il essaye plutôt de temporiser, ça va être peut-être son mate par la suite qui va y aller. Je sais pas si c'est un manque de communication, est-ce que le drapeau a été sorti? Il me semble pas, le flag a été return, je sais pas trop ce qu'ont fait les joueurs des AA au final. Bah, Agony, j'ai vu essayer un peu de sécuriser la zone, mais malheureusement il y a quelqu'un qui a dû passer en sneak et juste se jeter sur le flag en se disant bah voilà, c'est pas marqué quoi. Ouais, c'est un petit peu dommage hein, parce que le drapeau était sorti. On va repasser en tout cas du côté d'Infamous avec Vintage hein, qui va se la jouer un petit peu tempo hein, on le disait, ce rôle un petit peu de flag camper. Il va jouer ses strikes, il va rester à sa base, il va contrôler que le drapeau ne sorte pas d'ici. Broken hein, qui continue d'avancer avec son AN. Les joueurs des AA en tout cas qui jouent pas mal à la lourde. Et là Broken qui a failli faire le double, mais Vintage hein, joli puisqu'il vient de faire un double en défense. Et Azox qui est en série de 3, il vient de sortir le drapeau au niveau du basket. Ouais, et puis en plus de ça, si là il va jusqu'au score, il va sûrement y avoir des streaks pour lui. Ça va être quand même assez compliqué, il y a du monde au niveau de la cuisine et en plus de ça à la brouette, donc ça va être compliqué pour lui. C'est peut-être pas mal joué ce qu'il vient de faire, mais Bissell avait compris la chose et il fait tomber Azox et ramène le fly. Là, c'est bien joué de la part de Bissell hein, qui s'est pas laissé avoir parce que Azox a essayé un petit peu de brain justement Bissell en rentrant dans ce cabanon. On va suivre en tout cas Tomé qui est au niveau du middle désormais. Ils sont un petit peu éparpillés pour le moment les joueurs et j'ai l'impression qu'ils arrivent pas trop à suivre, donc on va voir par la suite ce que ça peut donner. En tout cas Agony qui vient de faire le frag, il est en série de 2, il est au niveau du middle, il va attendre ses mates hein, justement là. Je pense que sur cette map le contrôle du mid est très important. Ouais, même contrôle du mid, après faut vraiment essayer d'insister sur un côté pour justement faire spoon soit piscine, soit côté red, c'est-à-dire côté rouge, donc le ring là que les anglais appellent ça. Donc voilà, faut essayer en gros d'avoir une lourde middle, une lourde à droite ou à gauche pour essayer de sortir le flag. Et d'ailleurs, en parlant de sortir le flag, Vintage lui l'a sorti, Tugo Taga, il y a encore du monde sur sa route? Non, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que du côté ring là il est tout seul. Et il y a son teammate qui en plus de ça qui vient l'aider, mais il y a du monde chez les Infamous. Il y a du monde côté Infamous, hein. On voit Azox hein, sur la mini-carte. Je vais juste regarder rapidement ce que fait Vintage. Est-ce qu'il va être challenge? On va regarder rapidement Azox hein, qui sort le drapeau. Il va peut-être faire le kill, c'est bien joué de la part de Azox hein. Ça commence un petit peu à trash talk là. Vintage, est-ce qu'il a été tué? Non, il a toujours le drapeau au niveau de la jungle il me semble. Donc c'est encore une situation assez compliquée. Le drapeau qui a été sorti il me semble. Le drapeau qui a été scoré pour l'Infamous, très bien joué là. Ouais, un drapeau, j'ai l'impression très calme, mais très... Ça a été marqué très très vite, j'ai l'impression. C'était... Il y avait du monde en plus de ça chez eux, chez l'Infamous. Ça a été très très vite. Ils se sont très très vite fait tuer les AA et marqué assez facilement par Vintage qui, pour l'instant, j'avais l'impression que c'était un peu le flag camper de l'équipe. On va regarder rapidement les scores. On sera à côté Tomé une nouvelle fois. Bissell qui a un petit peu du mal à rentrer dans cette partie. Mais bon, les scores qui sont quand même assez homogènes. Pas beaucoup de kills. Le gros double de la part de Tomé. Hein, là, il va peut-être avancer avec la lourde. Je suis assez impressionné de voir Tomé comme ça. Il a vraiment un gros shoot. Et là, encore sur Gotaga. Alors que Gotha, il me semble, joue avec la haine. Donc en full auto, ça montre à quel point justement Tomé a un shoot de dingue. Il va passer sur la droite désormais. Il est toujours un petit peu tout seul. C'est un petit peu regrettable parce qu'il fait vraiment des bons pushs. Mais ça ne suit pas derrière. Il reste 30 secondes. Je pense qu'ils vont surtout assurer. On voit Vintage hein, dans son de flag camper. Bissell pareil qui cover la droite, c'est vraiment un mur côté Infamous, ça veut pas que ça passe. Et même Josh avec sa SMG ne bouge pas du spawn. Voilà, je pense en gros ce qui va se passer c'est que Tomé va être tout seul à attaquer avec sa lourde et les trois autres vont camper. Tomé pour l'instant il fait pas mal son boulot, mais derrière la Agony vient de faire un kill sur Bissell. Je pense pas que ça va changer grand chose, il reste 8 secondes. On va finir ce side sur 1-0 pour Infamous. Ouais, je pense que c'est bien joué de la part de Tomé hein, justement d'avoir backé. Il a décidé de pas prendre ce drapeau parce qu'il est pas très loin d'avoir son Hellstorm qu'on le veuille ou non. Donc il joue ses strikes à l'heure actuelle et je pense que pour la suite ça peut leur servir. 1-0 en tout cas sur ce premier side. Les deux équipes comme j'ai dit qui ont un petit peu du mal j'ai l'impression à se suivre, pas trop teamwork des deux côtés, ça joue un petit peu individuellement. Josh à un moment donné a sorti ce drapeau, ça a payé, mais c'est vrai que côté AA ça avance, ça fait le kill, mais à chaque fois Vintage, je vois qu'il avait sorti. C'est vrai que pour le moment les joueurs des AA
On a un petit peu du mal à se trouver, on va voir en tout cas sur ce deuxième side. Donc deuxième side, on va se mettre du côté peut-être de la SMG de leur équipe, c'est sûrement Ago. Ago qui doit être à la SMG, qui va sûrement rusher middle là. Il va, premier duel pour Agony contre Josh et le premier duel perdu. Josh qui, quant à lui, tombe sous les balles d'Azox. Lui, Gotaga, il a déjà tué Bissell et Gotaga qui fait le double sur Tommy. Et là, Gotaga qui a sorti la SMG, ça va peut-être changer quelque chose. Ah, je pense que là, désormais, il se met réellement en mode rush là avec Gotha hein, qui va passer peut-être au niveau de la muscu. Ils sont bien placés, Azox. Hein. S'il peut contrôler cette voiture bleue, justement, il a une position de head glitch qui leur permet justement de checker la gauche du drapeau. Et là, oh là là, bien joué de la part de Gotha qui s'est retourné. Il sait qu'il y a du monde devant lui. Mais là, il y a des challenges de tous les côtés. Il ne peut vraiment rien faire. Bissell qui est en série 2. On va suivre un petit peu ce qu'il peut faire. Il va peut-être tenter de décaler sur la gauche. C'est ce qu'il va faire. Hein. On va regarder rapidement. Il y a quelqu'un au niveau du mid. Est-ce qu'il peut faire le frag? Non, c'est Agony. Agony qui est en bonne position. Mais non, il se fait avoir. Azox qui est sur la gauche. Il tombe également. Vintage en série de 3. Je pense que ça va vraiment être son rôle. Il joue ses strikes comme je l'ai dit. Il a son Hellstorm. Et là, une fois que le drapeau va être sorti, il va déployer son Hellstorm et va couper le flag net. Ouais, Vintage, on peut dire en gros, bah, c'est vraiment un des premiers que je vois faire ça sur ce jeu. C'est vraiment rare de voir des mecs faire ça sur Black Ops 2 parce que bah, tout le monde sait que c'est un minimum risqué d'avoir un mec au spawn tout seul parce que dès qu'il est mort, c'est pas comme sur Black Ops. Sur Black Ops, le premier, les mecs respawn un minimum à côté, tandis que là on peut respawn à l'autre bout de la map. Donc voir quelqu'un faire ça, ça fait bizarre, mais j'ai l'impression que ça marche un minimum. Pour l'instant, il y a toujours un zéro. Mais j'ai l'impression aussi que les Infamous jouent, mais vraiment défensif, non? J'ai vraiment l'impression aussi, hein. Vintage là, on l'a vu, hein, il s'est replié au niveau du raid, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et là, Gotha en revanche, qui a vraiment fait un bon move, il a fait le back au niveau de la piscine et il a la possibilité peut-être de sortir ce drapeau. Personne n'est en position, il va le sortir côté basket. Et là, je pense que ça peut être limite un flag garanti s'il a une petite cover, mais il va avoir un duel devant lui, il le perd en plus face à Josh, c'est un petit peu dommage, je pense pas qu'il s'y attendait. Vintage qui continue justement de jouer ses strikes, Azox qui va devoir attendre ses mates, ils sont plus que deux dans leur base. Et Vintage, hein, toujours en série de 6, il a dû débloquer plusieurs streaks, non maintenant, Vintage? Ouais, Vintage qui est justement full. Et en plus de ça, Vintage, là, ils ont tenté quelque chose, peut-être prendre les AAD par surprise et donc la contre-attaque. Et il y a moyen que ça passe. Mais là, c'est très très mal joué. C'est très très mal joué de la part de Vintage. Back comme ça, c'était juste mal joué. Mais je pense qu'il s'est un petit peu perdu, il savait pas trop où passer, il s'est dit est-ce que je passe par la cuisine ou est-ce que je passe au niveau de la brouette. Et au final il s'est fait avoir, en tout cas il a tous ses strikes, on l'a vu, hein, donc ça peut réellement faire la diff. Tomé hein, qui contrôle en head glitch ce côté raid, et là il contrôle le mid, les AA, hein, ça va être compliqué pour eux hein, de revenir à la 2-0 dans cette partie, on le rappelle. Tomé qui est au niveau du middle, il est toujours en série de 3 et je pense qu'il va vraiment jouer ses kills là Tomé. J'ai l'impression qu'ils ont limite pas envie de marquer des flags, parce que on les voit avancer, mais ils sont toujours seuls, c'est un petit peu bizarre et pourtant les AA ne parviennent pas à faire la diff. Ouais, c'est vrai, peut-être faire un tour au niveau des scores trompés qui se baladent un minimum. 21-11 pour Tomé, Vintage qui est défensif, 13-5 du côté des AA. Cette fois c'est Broken qui passe un minimum à côté en 9-16. C'est rare de voir Broken passer à côté. Et Agony hein, pendant ce temps là, au moment où on parlait, a sorti ce drapeau. Est-ce qu'il va pouvoir tuer ce Hellstorm? Non, il ne peut pas le péter, c'est un petit peu dommage. Mais pendant ce temps là, il me semble que le drapeau a été sorti. C'est Bissell hein, qui en profite, ils sont 3 dans la base justement des Eyes. Et Vintage qui envoie un petit peu tous ses strikes, il n'a pas fait de frag. Mais les deux drapeaux une nouvelle fois qui sont sortis, c'est vraiment ce genre de position qui sont assez dures à tenir. Mais là, les joueurs d'Infamous, ils ont juste à tenir le drapeau pendant 2 minutes et c'est la win. Ouais, c'est la win et le 2-1 et qui peut être très... Waouh. Très très dangereux pour... Et là c'est... Ça va être compliqué, 2-0, 1 minute 30... Ouh oh. Et c'est qui a back ça? C'est The French Monster Man. Et ouais, j'ai voulu switcher sur lui mais il s'est fait tuer directement. Et Gotha, je sais pas par où il est sorti, il était en mode Sneaky Beaver dans la base ennemie, dans le garage, il a fait le frag. Et c'est bien joué de sa part parce que là rien n'est perdu pour le moment. On va essayer de passer justement du côté d'Agony avec son petit camouflage bacon là. Il avance sur le flag, il y a personne en position pour le moment, il y a quelqu'un au niveau de la muscu. Et là il devrait en profiter, Broken justement qui a la cover sur son mate. Et là peut-être des score strikes qui vont être sortis, en tout cas Josh pendant ce temps là une nouvelle fois qui sort le drapeau à chaque fois, hein, il se rend coup pour coup les deux équipes. Ouais, et en plus de ça c'est très très énervant quand on sort un flag, Agony par exemple il doit se dire allez les gars on le ramène maintenant, bam. Et Josh derrière il contre-attaque, c'est le truc le plus énervant qui puisse arriver. Et Vintage qui lance ses streaks et bam, Agony qui explose. Broken qui tue Bissell, Tomé qui a encore un streak. C'est deux downs chez les A. C'est deux downs côté A et Gotaga qui se fait avoir. Je pense que ça va être return, je sais pas c'est qui est en position. C'est Tomé désormais qui passe au niveau de la brouette. Il faut qu'il fasse le kill, Tomé. C'est très compliqué pour lui, il a que son quad Agony. Oh là là, bien joué de la part d'Agony, pendant deux secondes il a failli se faire avoir hein. Tomé qui était bien parti pour faire le frag sur Ago. Et Ago là, et je pense qu'il va essayer plutôt de temporiser. Il reste que 30 secondes mais là c'est un petit peu dommage. Il joue SMJ, il va pas avoir la possibilité justement d'avancer. On va passer peut-être du côté de Gotha qui était au niveau du mid. Broken qui essaye de rester en vie mais Vintage hein, qui avait tous ses strikes depuis tout à l'heure, il est dans son garage. Il envoie tout ce qu'il a dans les poches hein. Là ça va être terminé pour les joueurs des A. C'est trop compliqué, 15 secondes. Même si le drapeau limite vient être sorti, ça sera quasiment game over. Ouais là ça va être très très compliqué. Juste mets la map vite fait si tu peux. Voilà, les 4 sont en défense, le drapeau est vraiment bien dans les voitures.
ça va être très très compliqué là pour Josh. Et attention, ça aurait pu faire quelque chose. Et c'est le 1-0 et Josh a son habitude qui pète un plomb. Ah, Josh, c'est un petit peu hein, une sorte de bad kid parce qu'il est vraiment tout petit et tout. Et pourtant, c'est vraiment un des plus gros trash talkers. Il est super marrant à chaque fois à écouter. Et là, il est vraiment. Je pense qu'il. Je sais pas ce qu'il est en train de dire, ouah, mais c'est assez drôle. Et en plus, il a une voix un petit peu bizarre. Mais il est assez drôle, franchement, il est assez drôle. Les joueurs ici qui n'hésitent pas à trash talk en Europe. Hein, c'est vrai qu'autant aux States, ça se fait plus trop, justement. On n'a pas le droit de dire le pseudo. Mais là. C'est bonne ambiance, c'est bonne franquette, voilà. À la fin du match, ça sert la main, voilà. Honnêtement, c'est ça, hein, c'est pas un manque de respect, c'est juste pour faire perdre son sang-froid à l'équipe adverse ou tout simplement à un joueur en particulier. Donc là, on va partir sur un nouveau hardpoint, si je me trompe pas. Par contre, là, encore une fois, la map, là, je sais pas du tout. Je sais pas si toi, t'as commenté, c'était pas les mêmes maps. Je sais plus du tout. Donc, ça devrait pas normalement mettre beaucoup de temps parce qu'ils ont pas vraiment à changer leur classe. Capture drapeau, hardpoint, je pense pas qu'ils switchent beaucoup. Mais là, faut vraiment faire. Faut vraiment faire attention pour les AA. C'est la game de. Ça peut être la game de la lose. Bah, ça serait dommage hein, pour les joueurs d'AA qui ont quand même remporté ce premier HP. Comme tu l'as dit, peut-être c'était une sorte de. De chance. Je sais pas comment dire. C'est vrai que sur la fin, ça s'est joué tellement vite. Ça s'est jeté sur le HP. Ils ont fait les frags. Ça aurait pu être. Tout simplement un autre scénario, au final ils ont remporté la map, on va pas leur enlever la win hein, bien sûr, hein, loin de là. Et s'ils ont gagné, c'est que tout simplement ils ont fait le taf sur la fin, ils ont pris les spawns, ils ont fait les bonnes transitions, ils ont fait les kills au bon moment, des bons clutch. Mais c'est vrai que la SND 6-1, ils ont montré vraiment hein, les joueurs d'Infamous qu'ils étaient au-dessus. Et une nouvelle fois là, c'est vrai que 2-0 hein, sur ce CTF Red. Les joueurs d'EA qui parvenaient pas trop, hein, 1-0, non, il y avait eu 1-0 sur le premier side et ensuite 1-0, ça fait 2-0. C'est sûr? Ah ouais, il me semble qu'il y a eu 2-0. T'es sûr? Ouais, peut-être. Pas d'embrouille. Hein. Pardon. C'était vraiment bien géré. Mais le truc, c'est qu'Infamous, ils prennent aucun risque. Bah, on a pu le voir en SND, à un moment, ils étaient 4 lourdes. SND, on regardait la minimap. Ils étaient tous alignés dans leur spawn. Ils n'avaient pas besoin d'avancer. Ils avaient tous leurs strikes. Ils ont laissé Josh tout simplement gérer la crise. Envoie tes strikes. Si ça passe, c'est bon. Sinon, ils avancent. Mais dans tous les cas, c'est vrai que 5-1, c'est super compliqué de revenir. Hein, surtout face à une équipe comme celle-là. Mais c'est vrai que sur le papier. C'est un gros line-up, mais on se dit ils sont pas entraînés. Comme j'ai dit, j'ai entendu dire qu'ils s'étaient un petit peu entraînés, mais c'est vrai que Vintage, super vieux, il a quasiment pas joué à BO2, je pense. Bissell, ouais, MW3, il a quasiment pas joué. C'est un gros joueur de BO1 et de Code 4, je crois. Sur BO1, je crois même pas qu'il a joué. Il a joué peut-être au start, vraiment au début. Je crois qu'il a joué au début, ouais. Il a fait des très bons résultats sur le start. Et en tout cas, on va lancer cette SND. Peut-être un petit pronostic rapide pour toi. Est-ce que tu penses que les joueurs d'Infamous vont close tout simplement cette série et mettre fin justement aux ardeurs un petit peu des AA avec ce 3-1? Ou est-ce que justement les AA peuvent revenir à 2-2? Moi, pour être honnête, j'aimerais bien voir les AA performer pour pas qu'en gros les gens se disent « Ouais, la seule carte qu'ils ont gagnée, c'est une carte par 3 points. » Ça serait moche. Ça serait moi, j'ai envie qu'ils montrent autre chose maintenant les AA. Parce que bah, là pour l'instant, c'est dommage, mais Josh et compagnie font un peu la musique. C'est vrai, hein, pourtant individuellement, franchement, les joueurs des AA sont vraiment pas en dessous. Et Tomé directement qui vient de faire un double, Broken qui rentre sur le HP, Bissell qui se fait avoir, Broken qui est toujours sur ce HP en série de 2, Vintage qui vient de faire un double. Ça fait 4 morts, il me semble, Agony et Gotha qui se font avoir également. Ça essaie d'avancer au niveau du kebab, mais là, les joueurs d'Infamous qui sont déjà en place, ils viennent de prendre 10 bons points, ils sont très bien setup, ils commencent déjà à travailler leur strike. On disait de Vintage qu'il était vieux et peut-être rouillé, mais là pour l'instant il est en série 3. Donc ça va être compliqué encore une fois pour les A. Déjà 19 à 3 pour Infamous. Et là on a vu hein, justement Vintage qui essayait déjà de faire la rotation pour le prochain P2, donc pour le prochain hardpoint. Josh pendant ce temps là qui continue de grappiller les points. Ils sont deux sur le HP, il se fait avoir au niveau du top. C'était Agony qui a eu l'idée justement de passer par là. Série de 3 côté Bissell, je pense qu'il va récupérer les 10 dernières secondes. On va voir si la transition a été faite côté A. Broken en tout cas qui contrôle le côté point. Il va se prendre une grenade mais c'est bon, il ne meurt pas. C'est 2 sur sa gauche, il a dû balancer l'info. Mais là avec sa sensi Broken il se doit justement de reculer. Parce que là c'est souvent compliqué de se replier tout simplement. Là faut faire attention, les points qui ont vraiment filé pour les A. Va falloir se reprendre un minimum 42 à 10. Faire attention là, si Tomé rentre là-dedans et fait un full team, ça va encore une fois être compliqué. Faut qu'ils essaient de s'assurer un minimum le hardpoint et de plus les sécuriser que contre toutes les autres équipes. Parce que Dieu sait que Tomé et Bissell c'est dangereux quand ça rentre sur les points. Quand ils rentrent sur les points, on l'a vu tout à l'heure hein, sur Hijacked avec la Scorpion. S'ils font pareil là, ça pourrait être le même délire. Et Agony en tout cas qui fait un bon taf hein, avec l'équipe des AA là, au niveau du top. Ils ont quasiment récupéré
30 voire 40 points désormais. Et Agony qui continue d'enchaîner, il check sa window, il sait qu'il y a quelqu'un sur sa gauche, mais en principe il a la cover. Il y a quelqu'un, on le voit sur le radar aussi, qui est juste en bas au niveau de la poubelle. Donc là le setup est quand même assez idéal pour les joueurs des AA. Ils commencent à grappiller des points, il reste plus que 16 secondes. La rotation normalement qui a été faite, normalement Gotha qui est passé au niveau du mid, mais là les joueurs d'Infamous qui sont déjà en place. Et c'est dans ce genre de moment où c'est un petit peu déjà trop tard. Mais là en revanche il me semble que c'est un des joueurs, non c'est Agony qui était toujours sur ce point. Je croyais que c'était un joueur d'Infamous qui avait fait l'erreur justement de retourner sur le HP. Alors là pour l'instant c'est un minimum bien géré par les AA, va falloir faire gaffe sur ce hardpoint. Le hardpoint qui était très très bien géré par Infamous. Bissell qui fait le kill, là pour l'instant c'est 3 down chez AA. Il reste Gotaga en vie, Gotaga il est... ils ont tapé un spoon sur lockdown à limite là. Ah là ils sont vraiment à l'autre bout de la map et Dieu seul sait que cette map est dure à traverser, elle est super open. Et là il se fait spotter hein, là en plus on peut pas wallbang hein, on le sait à travers ce foin. Donc là c'est limite une position intouchable. Tomé qui continue de checker le back aller, il sait que ça peut arriver dans son back. En tout cas deux kills qui sont faits du côté des A. Bissell qui fait un frag, Tomé hein, qui s'attendait comme je l'avais dit est-ce que ça arrive. Il enchaîne sur le double, Tomé qui est on fire. On va regarder les scores mais depuis tout à l'heure hein, c'est vrai que Tomé est tout le temps en top tueur. Et là ça joue le conflit encore une fois. Tomé il était UM mais pas de problème pour lui, il continue d'enchaîner, il tire même sur les cadavres, il s'en fout. Tomé il est vraiment on fire, il tire tout ce qui bouge. C'est vrai là, tu m'as fait rire quand t'as dit il tire sur les cadavres. C'était il tire tout ce qui bouge parce qu'un cadavre de nos jours ça bouge. Donc là encore une fois là on entend Josh, il pète des câbles complètement. Mais là c'est... Ouais, ils ont pris encore une fois l'avantage, 10 points d'avance. Ça peut faire mal Josh dans ce point, ça presse de tous les côtés. Ils sont IM, ils comprennent pas trop ce qui se passe. Josh qui perd son duel contre je ne sais pas qui vu qu'il est IM, je pense que c'était Agony qui vient de tomber. Et là on voit Vintage qui était au niveau de la box justement, il repère un premier joueur, c'est Gotaga, il va sortir son B23R mais là c'était un petit peu gourmand ce qu'il a fait, hein, un petit peu trop spoté en tout cas pour qualifier sur le HP. Très bien joué peut-être le double, il se prend une énorme décale, Gotaga qui est toujours sur le point, 77-80 c'est vraiment très serré. Tomé encore une fois qui fait la différence au niveau du duel, Broken qui rentre sur le HP, il fait le frag, deux joueurs des AA qui sont en place mais ça avance des deux côtés, hein. De chaque porte ça essaie d'avancer, Broken qui fait le frag une nouvelle fois, deux kills qui sont faits côté AA, ça avance encore trois frags et ça va peut-être pouvoir respirer, ça fait que rentrer, Tomé qui fait que rentrer, c'est une vachette. Ça s'arrête plus là-dedans. Gotaga qui fait le kill, Gotaga qui tombe sous les balles de Vintage. Ouais, Vintage hein, qui est sur ce HP, il est toujours en série 2 en tout cas avec sa M8. Et là son objectif justement c'est de contrôler ce côté carton. Ils vont faire la transition désormais, il va récupérer les points puisque son mate a libéré un petit peu la place pour justement se rendre sur le P1. Il a des strikes d'ailleurs, Tomé on l'a pas vu, il avait son Hellstorm. Il continue de challenge, il a... franchement hein, Tomé il est vraiment sans respect. Dès qu'il peut faire un frag, il saute sur le joueur, il challenge, il sait qu'il a le skill pour tout simplement vaincre le joueur ennemi. Ouais, et en plus de ça, là, il vient de faire un kill sur Broken. Bah, justement, grâce à son skill, il a débloqué un petit killstreak qui a fait tuer Broken. Josh qui tue Agony. Et là, ça va peut-être être compliqué. Hein. Faut vraiment que les AA se réveillent. Il faut revenir là. C'est les 30 points là, qui sont en train de laisser partir. C'est très très important parce que là, après, ils vont vraiment galérer et c'est la victoire qui va y passer. Je te propose de spec un petit peu plus justement les joueurs d'AA, on était beaucoup sur les joueurs d'Infamous. On va passer du côté de Gotha, Gotha qui se fait tuer au niveau du mid, Vintage juste rapidement voir ce qu'il fait, il est toujours sur ce HP hein. Et là je pense que les joueurs d'AA peut-être vont tout simplement éviter de retourner sur le point. Ah ouais, ils vont tout simplement passer au niveau de la station, pré-shot le prochain, je pense que c'est la bonne solution même s'ils perdent 10 bonnes secondes justement sur ce P1. Ouais, je propose qu'on fasse encore une fois un petit tour au niveau des scores. Alors j'ai pas trop vu à d'autres... Ouh, Gotaga c'est très très rare de voir ça. Très très rare, hein. C'est dommage pour Coco là. Maintenant, Léa va falloir le garder très longtemps celui-là, il va falloir recoller au score. Broken qui fait le kill, Broken qui fait même la double. Gotaga qui continue sur Tomé, c'est la triple DAA. Et ça enchaîne les points, ça remonte un minimum, ça va passer la barre des 100. Ah là ils sont plutôt bien setup mais ça arrive au niveau du bas, il faut qu'ils le savent hein, ça, il faut qu'ils le sachent pardon les joueurs des A parce que ils sont très bien cover au niveau du middle mais là ça fait qu'avancer justement au niveau de cette porte et oh là là Broken qui est resté solide, heureusement que Tomé a trahi son mate parce que là c'est vrai que Broken était en mauvaise position, Agony qui s'était fait avoir, ça envoie des strikes en tout cas du côté de Broken, il n'a pas réussi à faire le kill, ça monte mais sans problème pour Broken, il débloque en plus sans foudrement pour la suite 113-137 des joueurs des A, les Français qui remontent petit à petit même si au niveau du slay c'est vrai que les joueurs d'Infamous sont un petit peu au-dessus. Ils sont au-dessus, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'y a que Broken qui arrive à un peu sortir la tête de l'eau du côté des AA. C'est, je crois que c'est le seul, même en positif, Broken du côté d'Infamous, c'est vraiment... Ouais, après, c'est des mecs qui jouent beaucoup les kills aussi, les Bissell, les Josh, enfin Josh un minimum, mais
Tomé, c'est vraiment le pire, je pense. Et là, on voit Josh hein, qui a déjà fait justement la transition sur le prochain HP. Il a débloqué tous ses strikes et là, ça risque de faire très très mal. Hein. Justement, les couloirs sont vraiment très petits au niveau de ce top bleu. Donc là, il a juste à se cover limite tout seul hein, avec une machine de mort comme ça. Il spot peut-être quelqu'un, justement. Il essaie un petit peu de wallbang, mais il parvient pas à faire le kill. Il y a quelqu'un au niveau du foin, ça passe à la fenêtre. C'est agonie, très bien joué de sa part. Hein. Il s'y attendait pas, hein, Josh, honnêtement. Et ça avance encore au niveau du lit. Il le sait, il fait le double. Très bien joué une nouvelle fois. Vintage en série de deux. Il va remonter avec son AR. Il rentre sur le point avec son B23R. Il choque complètement Broken, qui fait le kill et permet à son équipe un petit peu de respirer. Ils vont peut-être justement pouvoir prendre ces 27 secondes et peut-être justement les joueurs d'Infamous vont retourner sur le prochain point et ne pas challenge celui-ci. Ouais, là ils vont surtout repasser devant hein, 153, il reste encore 18 secondes. Attention, Josh qui perd encore une fois son duel. Broken est très très chaud, j'ai l'impression. Broken fait du 28-15, Broken est présent et heureusement pour les hacks, Broken est dans une bonne game. Heureusement, hein, Broken hein, qui sort vraiment de très bonnes games hein, dans cette série. Et là, on va rester justement sur Vintage puisqu'ils ont fait la transition à deux. Les joueurs des A, pourtant, il me semblait qu'ils étaient au niveau du foin, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient envie de se montrer. On va regarder Agony ce qu'il fait, il est au niveau du top. Et ça, je pense que c'est un bon move. Ça peut être un bon move parce que s'ils ne s'y attendent pas, voilà, il fait déjà un premier frag et l'enchaîne sur le double. Il y a sûrement quelqu'un sur sa droite qui fait le triple. Le triple d'Agony, peut-être le full. Non, c'est ses mates qui sont sur la gauche. En tout cas, très bien joué. La vision du jeu de la part d'Agony qui est monté au grenier. Il s'est dit, je vais passer par là. À mon avis, il y a eu une sorte de distraction au niveau de la porte et au final ça a payé série de 3, ça joue le conflit. Agony qui ne se montre pas, il enchaîne encore sur le double et Agony hein, qui commence à trash talk, il est vraiment chaud, ils reprennent le lead 188-161 dans cette partie. Ah là, Agony s'est mis en mode spécial Agony, c'est-à-dire qu'Agony, il y a des fois, tu vas pas beaucoup le voir, mais quand tu le vois, là, il fait vraiment la différence, il permet à son équipe de repasser devant, il débloque tous ses score streaks et je pense que la game vient de se jouer. Sur l'action d'Agony. Ah, limite, hein, c'est ça. Hein, là, l'action d'Agony a été vraiment amazing. Il vient de mettre un wallbang à travers le mur. Il vient de faire un frag avec sa machine de guerre sur Tomé. Il va contrôler les 6 dernières secondes. On va voir si la transition a été faite côté Infamous. Il me semble que Josh est en place. Mais une nouvelle fois, Broken, hein, vraiment qui fait des très bons moves à chaque fois. Il fait des très bonnes transitions. Agony qui était un petit peu replié. Mais c'est pas grave. Il va avoir peut-être un meilleur spawn justement. Il était assez éloigné. Donc c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Il y a la victoire qui se dessine un minimum pour les A qui ont déjà passé les Agony, tout simplement. Je pense que vous l'avez vu sur la gauche, il a fait le triple en tuant Gotaga malheureusement. Et il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'est en train de faire Agony, c'est la rave. Ah là, c'est vraiment amazing ce qu'il est en train de faire là. Tous les score strikes qu'il a envoyés ont touché à 100%. Il a même touché Gotaga dans le tas tellement il rate rien. C'est pour dire à quel point il continue d'enchaîner encore un triple de la part d'Agony. Je pense qu'on va le suivre parce que là, ça mérite d'être suivi. Hein. Depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on le spec pas. Il est remonté, il était en négatif. Il est désormais en 29-22. Il est en train de rattraper le score de Broken qui était déjà en 30 bombes. Limite, il y a de ça une minute. Il continue d'enchaîner avec sa machine de guerre. Il envoie tout ce qu'il a. Il ne rate rien. Il lui reste encore deux boules. Ouais, donc là, Agony l'a fait très très mal pendant cette petite minute là. Et pour moi, ça a changé la game depuis qu'Agony a fait son trip dans la maison. Il y a eu, je pense, 15-20 points de marqué maximum par l'Infamous. Donc, cette map, c'est peut-être pas que Agony, mais Agony a été juste énorme à la fin. Sur le start, oulala, il y a Agony et Broken là qui se sont levés là, ils montrent à quel point ils sont contents. Ils ont raison, les joueurs des A, 2-1 hein, désormais, 2-2 pardon justement, entre ces deux équipes, ça va se jouer sur la dernière map. Je sais vraiment pas quoi m'attendre, je sais pas toi de ton côté Loan, mais limite, je me suis dit, honnêtement après la map d'Infamous, je me suis dit franchement, les A ça va être compliqué, mais là ils ont vraiment montré de belles choses. On a vu comme tu l'as dit Agony, qui avait un petit peu du mal sur le start, il est remonté complètement, Broken qui carriait un petit peu son équipe, Gotha aussi qui était un petit peu en dessous, hein. c'est rare de le voir, il était en 10-23 à un moment donné, alors que d'habitude il est tout le temps en top tueur, hein, même depuis tout à l'heure, toutes les séries qu'on a suivies, mais en tout cas sur la fin, les joueurs des A qui sont rattrapés et ont donc remporté cette partie. Alors sûrement une recherche et destruction sur Red alors qu'on l'a joué juste avant en CTF, ça me paraît bizarre, mais c'est... c'est possible. Red, je crois pas qu'on l'a encore vu justement. Et ouais, ça va être une SND. Et là, attention Léa. Juste avant, c'était 6-1 qu'ils ont pris, il me semble. Donc, il va falloir se remettre un minimum en question. Surtout sur la SND. Il va falloir que Gotha parle un peu à ses coéquipiers et dire qu'en SND, faut vraiment pas prendre de risques. Et surtout, là, juste avant, Gotha, il en avait pris beaucoup. Et essayer un peu de temporiser. C'est surtout ce qui leur manque. Hein. Quelquefois, ça avait payé. Excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que quelquefois, il avait fait des bons moves. Il avait fait deux frags à un moment donné. Mais. Au bout d'un moment, ça ne passe plus parce que les joueurs en plus de l'équipe d'Infamous étaient super défensifs. Ils restaient dans leur base, Gotaga avançait, ils se faisaient avoir. Et je pense que sur cette map-là, en tout cas, s'ils doivent la gagner, ils doivent se la jouer en équipe, essayer justement d'avoir toujours quelqu'un derrière soi pour justement, même si tu meurs, derrière ton mate, fais le frag. Et c'est comme ça qu'on progresse et justement qu'on prend des kills et qu'on remporte des manches. Donc là, cette map que j'ai quand même pas mal joué avec eux, c'est...
une bonne map normalement pour Gotha, pour être en étant honnête. Après, j'ai pas joué avec Azog, c'est Broken. Agony qui jouait normalement avec du côté de Gotaga, donc là ça va sûrement changer hein, vu qu'il y a d'autres lourds dans l'équipe. C'est plus du tout, tout la même chose, mais normalement les deux aimaient vraiment, vraiment bien la map. Mais bon, comme j'ai dit, attention aux Infamous. C'est surtout qu'ils se sont pris 6-1 juste avant, donc on se dit, est-ce que vraiment les Infamous sont au-dessus en SND ou c'est juste que les AA sont pas bons sur Slums? Ça peut arriver, il y a des maps qu'on ne maîtrise pas tout simplement. Donc est-ce que c'est juste ça? En tout cas, je l'espère, parce que sinon c'est vrai que là, la sanction qu'il y a eu tout à l'heure, 6-1, si ça se reproduit, ça serait dommage en tout cas de voir les AA perdre ici, alors que vraiment, ils montrent vraiment de belles choses. Ils méritent en tout cas cette victoire, et surtout quand on voit cette map-là qu'ils viennent de remporter. Ouais, mais là... ça va être compliqué avec ça va être que du j'espère un minimum voir du rush sur cette SND, parce que c'est vrai que celle d'avant c'était pas vraiment spectaculaire. C'est vrai, à part le double de Josh, s'il y avait pas grand chose. Bon, s'il joue pareil et qu'il gagne encore une fois 6-1, ça peut faire très très mal dans le mental des AA pour demain. En plus sur cette map hein, c'est un petit peu le même principe, on peut grave jouer avec surarmement, donc limite tous les joueurs peuvent avoir un sniper. Il y a beaucoup de positions, que ce soit au niveau de la camionnette blanche, on peut scoper en face, on peut se mettre au niveau du top rouge, avoir une vue en face. Il y a beaucoup de top et c'est ça justement qui peut faire que ça peut camper. Et c'est vrai que là justement sur Slums, on n'a pas l'habitude de voir autant de snipers limite. C'est vrai qu'on peut en voir un justement au niveau du padré pour justement scoper cette grande rue, mais c'est vrai que au final, les joueurs d'Infamous ont pris l'avantage sur ça. Et on va voir en tout cas, peut-être que justement les joueurs d'EA vont réadapter un petit peu leur strat. Là, franchement, il faut qu'ils fassent vraiment un SND, parce qu'il faut qu'ils se sauvent de ça. Il ne faut pas qu'ils se disent, allez, on reprend comme on a joué tout à l'heure un SND. Non, là, il faut vraiment qu'ils tentent quelque chose. À la limite, ben, perdre, mais en ayant tenté quelque chose, il ne faut pas qu'ils repartent sur la même base que tout à l'heure. On va voir, hein, de toute façon, hein, comme on l'a dit, peut-être c'était juste Slums qui ne leur plaisait pas, tout simplement, hein, ça arrive qu'il y ait des maps que l'on ne maîtrise pas, même si on s'entraîne dessus, alors que les joueurs sont en train rapidement de changer leur classe, ça devrait se lancer d'ici quelques secondes. Juste, est-ce que tu sais ce qui se passe un minimum, question comme ça, je sais pas pourquoi je pose ça, la MLG. J'ai aucune idée, honnêtement. Ouais, tu sais pas du tout. Je crois que les Epsilon, moi hier j'ai vu sur Twitter, j'avais vu qu'en tout cas ils étaient remontés, je crois, dans l'amateur bracket, donc en gros ils étaient dans le championship, mais j'ai pas suivi, honnêtement. J'aimerais bien savoir, à la limite, je crois que c'est actuellement en train d'être joué. Je crois qu'il y a VVV qui est en train de jouer au moment où je vous parle, puisque là il y a Unique juste à côté de nous qui est en train de regarder le stream un petit peu, mais c'est vrai qu'on n'a pas plus d'infos. Moi, au niveau du coverage, j'ai pas trop suivi. Il me semble que c'est le match VVV contre je ne sais pas qui, on va voir rapidement, mais je sais que les Complexity en tout cas étaient contre les prophéties, donc les prophéties sont montées dans le championship. Ça montre à quel point, comme on le dit, les joueurs européens, que ça soit Epsilon ou Prof, sont vraiment à un calibre au-dessus. Ah ouais, c'est bien Prophétie. Ouais. Donc bon, là, on est parti sur Red. Voilà, c'est une petite parenthèse MLG pour ceux qui suivent aussi un minimum et qui sont sur le stream. Voilà, on en parle aussi un tout petit peu. Donc on est parti sur Red. On va aller du côté de l'attaque. Et qui est en attaque? C'est les AAA. Et on a un sniper qui est sorti du côté de Agony. Non, il va directement switcher sur sa Scorpion. Ça m'étonnait un petit peu de voir Ago au scope. On n'a pas l'habitude de le voir. Azox, en revanche, pourrait peut-être le sortir. Broken aime bien le sortir également. On va voir en tout cas ce que ça fait. Est-ce que ça joue avec surarmement? On va voir. Et il se dirige directement sur B. C'est un petit peu bizarre ce genre de rush. Et comme je l'ai dit, jouer avec surarmement, ça a déployé des fumiers en plus. J'aime bien ce move tout de même. Est-ce qu'ils vont justement tenter de la poser directement? Là, ils se sont fait spotter les UM qui ont été envoyés. Gotha, on va essayer de passer sur lui parce que là, il est vraiment en train de push au niveau du back. Il s'est pas fait spotter. Agony qui avance, Agony qui fait le frag. Ça va peut-être prendre le double là. Il faut qu'il cède les deux joueurs DA. Ils sont en bonne position en tout cas pour le stopper là. Bien joué. Hein. Très bon teamwork. Et là, comme on le disait, ils travaillent à deux. Ils travaillent réellement en équipe. Et c'est ce qui fait la différence en ce début de game. Ah là, les deux SMG là de chez AA qui ont fait la différence. Gotha qui enchaîne les kills, il est en série de 2, il me semble, il a fait 2 kills sur cette manche. C'était vraiment bien parti pour lui, en espérant qu'il ait des streaks et qu'il puisse remporter cette map pour les Français. Et Tomé hein, qui essaye un petit peu de temporiser, il sait qu'il a encore du temps, il reste 30 secondes, donc il va jouer le temps, il va repérer quelqu'un au niveau du raid. Il va peut-être se rediriger à autre part, mais là il a plus beaucoup de temps quand même, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Je pense qu'il va essayer tout simplement de jouer le temps, y aller au bon moment, mais là non, Gotha, il savait que Tomé, de toute façon, il se connaît. S'ils savent un petit peu comment ça se joue, et c'était soit Tomé faisait le tour par la cuisine, mais il lui restait 10 secondes, il n'avait aucune chance dans tous les cas de le diffuser. Tomé s'est dit, j'avance. Il donne des strikes en revanche à l'équipe DA. Il aurait peut-être pas dû. Ouais, Gotha en plus qui est désormais en série 3, donc il est pas très loin à mon avis de son RCD. Ouais, mais là Gotha qui a fait un round, on va dire, exemplaire, il s'est pas livré, il a aidé Agony, il a fait 3 kills. Donc
Ouais, série 3, on va regarder rapidement s'il a des strikes. Il me semble. Attendez, j'ai pas pu switcher Gotha. Il est pas très loin, on va dire. Il a pris un Elstar. Et oui, c'est. On va rester sur lui. Honnêtement, je comptais mettre sur l'attaque, mais c'est pas la première fois que je vois ça, hein, Gotha sur son stream. J'avais vu ça l'autre fois quand il était en stream. Il sort l'arbalète, hein, c'est autorisé. Ne vous dites pas, c'est une arme bannie. Mais je peux vous jurer que ça fait vraiment des dégâts si vous la maîtrisez, tout simplement. Donc j'ai envie de voir un petit peu s'il peut faire un frag. Ça serait réellement impressionnant en tout cas. Faut le dire, quand on le voit comme ça, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Il est pas sérieux, tu vois. Bah, c'est un petit peu le Robin des Bois de Code. C'était sûr que t'allais dire ça. Bon, maintenant, on se met sur Josh au snipe et Josh qui sait qu'il y a sûrement Gotha qui est en train d'être dans les arbres là en haut à gauche avec son arbalète. Donc Josh, j'ai l'impression qu'il regarde beaucoup leur dos. Ouais, Gotaga, il s'arrête pas. Hein. Mais Gotaga qui joue aux fléchettes et il vient de coller Tomé. Il a mis un long shot de l'autre bout de la map sur Tomé. Je vous avais dit à quel point cette arme était redoutable si vous la maîtrisez. Et Gotaga, au moment où je dis ça, boum, de l'autre bout de la map, il joue aux fléchettes. Tranquillement, il fait un kill. En tout cas, Josh hein, là qui est dans une bonne position en net glitch avec son sniper, avec surarmement. C'est une situation de 3v3. La bombe est posée. Je pense que c'est quand même un bon move là de la part des joueurs d'Infamous au final. Juste un petit tour au niveau au côté fin, pardon. Au score, pardon, excuse-moi. J'ai eu du mal. Gotha en 4-1. On va se mettre sur Asgoton. Gotha en 4-1, après il n'y a pas beaucoup de kills. Donc 1-1 maintenant au niveau des rounds. Égalité parfaite. Mais honnêtement, le coup de l'arbalète, à vous, tu t'y attendais vraiment pas. C'est vrai que moi je l'avais vu, je te dis, en scrim, en online, mais je me suis dit, honnêtement, qui le tenterait en LAN? Et honnêtement, ça a l'air efficace. Hein. Honnêtement, on peut jouer en long shot. Après, je pense que c'est un petit peu dangereux, tu vois ce que je veux dire. Je préfère avoir un sniper, jouer les angles. Là, au final, ça a passé, il a fait un frag. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, mais bon, moi je trouve que c'est un peu osé quand même de tenter, surtout dans un match comme ça, à 2-2 quoi. Ça c'est, voilà, c'est, si tu te rates là, c'est t'as perdu le match quoi. Tu vas dans le middle racket et t'es quand même parti pour peut-être une mauvaise LAN quoi. Et on voit Gotaga en tout cas qui vient de faire le premier kill alors que Bissell avait ouvert justement les festivités. On va rester sur Gotha là justement qui est avec la bombe. Est-ce que la bombe est morte? Elle est au niveau du middle. C'est Broken qui est resté justement un petit peu dans le back. Je pense qu'ils s'attendent justement. On connaît un petit peu les joueurs d'Infamous qui arrivent dans le back. Donc là, ils se méfient un petit peu. Mais j'aime bien cette strat côté A parce qu'ils prennent possession justement du ring. Mais ils ne posent pas cette bombe. Donc Broken là qui est dans le ring. Avec la bombe, il décide d'avancer du côté des Infamous. Gotaga qui fait le kill sur Vintage. Gotaga encore en série 2-2. Hein. Gotaga décisif dans cette SND. C'est Broken et Gotha contre Josh et Tomei. Ah, comme tu l'as dit, hein, il a encore une fois Broken qui vient de mettre un gros long shot sur Tomei. On va peut-être passer sur Josh. Je crois qu'il joue au scope. Hein. Il a surarmement. Il joue avec sa MP7. Il va passer au niveau de la cuisine. Personne n'est là. Hein. La bombe qui va être posée. Josh là qui va se faire totalement brain puisque la bombe va être posée. Je sais pas trop ce qu'il fait Josh, j'ai l'impression justement qu'il cherchait un kill peut-être un petit peu en cuisine ou quoi. Mais là les joueurs d'AA, ils devaient s'y attendre, c'est peut-être un petit problème de communication du côté des Infamous je pense. Voilà, ça va être encore une fois compliqué pour Josh. Après là s'il prend le premier kill c'est vraiment jouable pour lui. Hein. Il prend le premier kill sur Broken, attention. Broken il s'est un peu livré là. Et là Gotaga, il le venge, très très bien joué, bon teamwork quand même. Bon teamwork mais... On peut le dire quand même, c'était quand même assez osé de la part de Josh d'avancer comme ça. Et Broken au final qui perd son duel alors qu'il est en net glitch. Et au final Gotaga qui avance tout simplement sur le joueur d'Infamous. Il savait qu'il allait faire le frag, il avait vu hein, de toute façon il était juste à côté. Mais c'est vrai que c'est ce genre de move, admettons tu te prends un double, ça fait très mal au moral. Donc il faut faire vraiment attention. Et là admettons tu perds ce round 2-2, ça peut faire vraiment mal et le momentum peut vraiment changer de côté. Là on va voir Azog, c'est un peu joué, on va se mettre sur l'attaque, pardon, excuse-moi. On va se mettre peut-être sur quelqu'un qui... Ouais, y a pas vraiment de rush. On va se mettre sur Tomé donc, qui est avec sa M8. Il a vu du monde en haut. Et il est stun. Tomé stun par la gauche. Il va prendre une grenade. Il est weak. C'est Gotha face à lui. Et on a vu Vintage. Hein, Vintage Gotha qui n'avait pas vu Vintage. Hein, Vintage qui était là depuis un petit moment. Je pense qu'il devait être couché tout simplement au niveau de ce raid. Il a la bombe. Il ramasse en plus la scorpion de Gotha, qui va pouvoir l'aider par la suite. C'est une situation de 4v3 en tout cas à l'avantage des joueurs d'Infamous. Il peut peut-être même péter le petit système trophy, mais je pense qu'il ne veut pas se dévoiler. On va regarder rapidement où sont placés Bissell qui est en très bonne position puisqu'il tient la cuisine. Josh avec son sniper qui regarde le top rouge. Et pendant ce temps-là, Tomé qui regarde la cuisine, enfin qui regarde, pardon, le double escalier. On va regarder ce que ça fait côté A. Agony qui risque d'avoir un duel. Agony qui risque d'avoir un duel, là ça va être compliqué à négocier encore une fois pour AA, mais là c'est le break qui est en jeu et Tomé qui fait tomber Agony, c'est un 4v2 à jouer pour Azox et Broken.
et c'est très très vite dit. C'est très très vite perdu, excusez-moi. Ouais, Broken qui a voulu faire la décale, il s'est dit je vais temporiser pendant 2 secondes, il va peut-être arrêter de tirer, mais il s'est fait pré-shot. C'était un petit peu compliqué pour les joueurs DA. Vraiment une bonne attaque, je trouve, du côté d'Infamous. Vraiment très bonne map là pour le moment de, pour cette équipe. Changement de point de départ. Les Millennium qui partent, hein, ouais. Qui partent en finale là. Les Millennium là apparemment ils vont à l'hôtel là, on m'a dit dans l'oreillette il y a 2 secondes. Comment? Tu peux être comme ça. Bon, on va repartir là, on va laisser les Millennium se barrer là. Alors, vas-y, bon, rentrez bien les gars, ciao. Ouais, donc du côté DA, une nouvelle fois, à chaque fois le même rush. Du côté du raid, ils sont tout le temps 3. Ils ont toujours cette même strat, très agressive. Ils prennent possession de ce raid et on voit toujours Gotaga justement pousser sur la gauche. Est-ce que cette fois-ci il va le tenter? Je pense que les joueurs d'Infamous à force vont s'y attendre. Agony qui est un petit peu justement dans les herbes. Je sais pas trop ce qu'ils font, ils tentent pas la pause. Et c'est un petit peu dommage parce qu'à chaque fois quand même ils prennent possession justement. Et Vintage en profite, il est en série de 3, il reste 50 secondes. Série 3, il a son sniper, il a juste à temporiser. Je crois qu'ils sont bien placés, il y a Josh qui a fait tout le back. Et là, Josh qui est arrivé dans le back, je sais pas ce qu'il a fait. Il a fait le tour de la map, soit par le middle, soit tout simplement par le basket. Mais très bonne vision justement de la part de Josh. Il faut se dire aussi que les AA mettent énormément de temps à prendre des décisions quand ils sont passés au ring là. C'est vrai, il faut poser la bombe au rocher. Et ils ont fait ni l'un ni l'autre malheureusement. C'est pourtant ils avaient bien joué, ils avaient bien progressé. Et Vintage a mis une tête à Gotaga et ça a tout stoppé d'un coup. Normalement dans ce genre de setup, une fois que tu contrôles le ring, tu as la possibilité tout simplement de te placer, on va dire, aux petites positions en edge et de regarder le middle. Je pense qu'ils devraient jouer de ça et peut-être poser la bombe. Ils ne le font pas pour le moment en tout cas. Et là on voit les joueurs des Curse, en tout cas ça joue vraiment full B pour le moment. On n'a pas vu de pause en A. Et là ça va peut-être justement avoir un duel avec Bissell qui avance un petit peu dangereusement. On va regarder la carte, je crois qu'il y a quelqu'un au niveau de la cuisine. On va regarder, en tout cas on va le suivre. Je ne sais pas c'est quoi cette ombre sur sa gauche. Je pense que c'est juste un petit problème. C'est un système trophy, d'accord, qui a été placé. Et Bissell, et Vintage qui est en série de 5. Tommy en série de 3. 2v4. On va regarder rapidement où est Broken. Il est au niveau du basket. Je pense qu'il va peut-être avoir un duel sur sa gauche. Donc là, Azox en situation de 1v2. Il était en 1v3. Si je me trompe pas, il a fait le premier kill. Et là, il est contre un minimum. Enfin, il est contre des mecs qui sont en série de 4 et de 5. Et Azox qui est en série de 2. Et c'est le break. C'est le break. C'est le break là fait par les Infamous, attention. Et c'est un petit peu la même situation que tout à l'heure, on va dire en termes de strike. Tomé qui est en train de faire vraiment le plein. Je crois qu'il a peut-être son Hellstorm déjà. Son foudroiement, 6 kills, je pense en tout cas qu'il est vraiment pas loin. Et je pense qu'il va jouer ses strikes jusqu'à la fin. Et c'est ça qui va faire la différence dans ce match. Je crois pas que Léa ait des strikes. Peut-être faire un tour au niveau des scores et au niveau des strikes juste après pour voir qu'est-ce qui peut se passer. Donc Gotaga en 7-4 et derrière c'est 2 kills. 2 kills pour tout le monde dans l'équipe. Gotaga qui mène un peu son équipe sur cette SND. Agony qui rush encore une fois. C'est tout la même chose qu'ils font là. Attention à toi Ago, ça peut être décisif. Et Vintage qui lance le Hellstorm, ça peut faire très très mal. Il a pas fait un kill, ok. Je sais pas comment il a fait pour faire un kill là sur Gotaga avec son arbalète qui est sur le B. Azox qui pose la bombe enfin. Ils attendent presque une minute alors qu'ils prennent possession à chaque fois de ce raid, limite trop facilement les joueurs d'Infamous qui n'avancent pas mais ils ne prennent pas justement l'initiative de poser cette bombe. Au final Gotha qui a toujours son arbalète et Agony pendant ce temps là qui fait quand même un bon double, j'ai envie de voir ce qu'il fait. Il contrôle le back, on va peut-être regarder Gotha, j'ai envie de voir s'il peut prendre un kill quand même avec cette arbalète, ça pourrait être assez fun. Moi je t'avouerais que si je serais dans son équipe, je serais quand même frustré qu'il use une arbalète. J'ai l'impression, c'est vrai que quand tu vois quelqu'un jouer à l'arbalète, ça ne fait pas sérieux, on est d'accord quand même. Surtout dans ce genre de match, ils sont limite à deux doigts d'éliminer une des meilleures équipes d'Europe. Et là, il vient de se faire éliminer. Justement, il se retrouve en situation de 2v3. Les joueurs situation de 2v2 désormais, ça se rend réellement coup pour coup. Situation de 1v2 désormais pour Tomé. La bombe est posée, c'est terminé. Bien joué de la part des A, ils se sont pas jetés. Ils ont laissé tout simplement les joueurs d'Infamous venir. Et c'est pour ça que l'intérêt de poser cette bombe sur ce side, c'est de les laisser venir. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Enfin, j'ai envie de dire, comme tu l'as dit, parce que c'est vrai que depuis le début, les 3 rounds, on a vu le même scénario, mais ce n'était pas posé. Ouais, et puis là, enfin, ils ont posé la bombe, ça a marché. Ils recollent un minimum au score. Et voilà, c'est bien joué de leur part. Enfin, ils ont posé la bombe, c'est bien vu. Et je pense que limite, ça peut être le tournant hein, de ce match-là. S'ils continuent de jouer comme ça, les joueurs des A, ils sont remontés, je crois qu'il y avait 4-2, 4-1 peut-être même, non 4-2 il me semble. Donc là, ils ont quand même pris une bonne manche. Bissell hein, avec son rush un petit peu respectif. Il avance sur la gauche, Josh qui vient de faire le frag sur Broken, qui avait aussi le scope, il me semble. On va peut-être passer sur Gotha. Gotha qui a une bonne position, ils ont le back, en tout cas là, cette fois-ci, ils sont quand même bien placés. Il faut pas trop qu'ils se montent, Gotha. On va regarder rapidement Josh qui est retourné dans sa base. Tomé qui a envoyé une
RCXD, ça pourrait faire mal ça. Et au final, ça RCXD qui se fait éliminer, Vintage qui se retrouve un petit peu tout seul, il a ses strikes hein. Et ça, ça va faire mal je pense dans le futur, il hésite je pense à les envoyer désormais. Peut-être faire un tour au niveau voilà, de la map tout simplement. De la map, voir un peu ce qui se passe. Ok, 3 personnes en B et Agony dans les escaliers et les deux derniers de chez AAA qui sont en face de Vintage. Donc Gotaga, si je me trompe pas, et Azox. Gotha hein, qui est en bonne position là, il faut pas qu'il bouge de là limite hein. Pour le moment ils peuvent pas se manger de strike et c'est ça justement qui peut faire la différence. Il reste 37 secondes, ils ont l'avantage hein, limite dans ce round, ils ont juste à défendre. Je pense qu'il a dû spotter hein, que la bombe allait être posée, je crois que c'est Tomé. Non, Tomé qui avançait très agressivement sur Gotha, il fait le frag, il va peut-être enchaîner sur le double. Oh là là, le double de Tomé sur Azox et ça va peut-être continuer d'enchaîner. Et Vintage juste derrière et ça va être compliqué. On entend le trash talk de Tomé qui vient de se lever de sa chaise, il a envie d'en terminer, il vient de faire le double sur Azox qui s'est fait surprendre. Je pense un petit problème de communication entre les joueurs parce qu'il s'est pas retourné au bon moment à Azox alors que justement Gotha s'est fait avoir. Ouais, et puis en plus de ça, Tomé, je sais pas si t'as vu ce qu'il a débloqué, mais ça va être compliqué à gérer. Il a l'Hellstorm et le foudroiement. Et derrière, si je me trompe pas, Vintage a encore son foudroiement. Donc là, ça va être dur. Ah, c'est limite quasiment plié hein, là pour les joueurs d'AA. On veut pas être pessimiste. Je crois qu'il y a une RCXD qui vient d'être envoyée. On va rester du côté de la défense pour le coup parce que c'est vraiment eux qui vont faire le show dans ce round. La RCXD qui est pétée. On va regarder ce que peut faire Azox. C'est lui justement qui vient de la casser. Et au niveau du top, Broken qui joue de très. Très agressif, pardon, justement attention, sur ce side. Ils ont fait la même chose, justement, que juste avant. Et Tomé, là, qui a envoyé ses strikes. Je pense que, justement, ils ont essayé d'avancer pour essayer de se mettre à couvert parce qu'ils savaient, hein, justement, qu'il y avait des strikes. Toujours en série 9, il est tout seul. Et là, ça va être très compliqué. Broken qui se retrouve vraiment seul. Il se fait spotter au niveau de la jungle. Ça va arriver sur sa droite. On va regarder un petit peu la carte. Mais là, ça va être limite mort pour les joueurs d'EA. On y a cru jusqu'à la fin, là. On va voir si, justement, Broken peut faire la différence. 47 secondes. Les strikes qui sont envoyés, ils arrivent, hein, quand même, justement, Broken à les esquiver un à un. La bombe qui est vraiment trop mal placé en plus. Attention, si Broken réussit ça, ça les relance complètement 5-4 et derrière il n'aurait plus aucun streak si je me trompe pas. Ouais, comme tu le dis, hein, ils auraient quasiment plus de streak ou alors peut-être même Vintage. Je crois qu'il a utilisé Broken qui va se diriger sur la gauche, mais il n'a pas la bombe, il a plus que 26 secondes. Il va peut-être avoir un duel sur sa gauche au niveau de la cuisine. S'il pouvait faire la différence, ça serait énorme pour les joueurs d'EA. Est-ce qu'il fait? Et non, Tomé qui fait le frag. Dommage, vraiment dommage. Et Tomé là, c'est vraiment dommage pour les joueurs d'EA qui ont vraiment cru jusqu'à la fin. Ils ont vraiment montré du très bon jeu ce soir. Un petit peu déçu je pense hein, ces joueurs d'EA sur la fin parce que je sais pas trop, cet SND. Est-ce que vraiment les joueurs d'EA sont un petit peu en dessous d'un SND? Ils sont peut-être meilleurs sur les modes à respawn. En tout cas, ils ont fait la différence. Les joueurs d'Infamous, ils remportent 3-2. Mais vraiment, un petit peu dégoûté pour les Français parce que j'estime qu'ils méritaient en tout cas de gagner. Derrière Gotaga qui était le seul de son équipe malheureusement en positif. C'est... Ça arrive. Alors qu'ils jouent avec l'arbalète et je sais pas trop. Ils ont fait, moi je sais pas pour toi mais c'est vrai que leur rush à chaque fois c'était toujours le même. Ils contrôlaient le raid mais ils ne faisaient pas la différence, ils posaient pas la bombe. Donc les joueurs d'Infamous restaient dans leur base. À aucun moment les joueurs d'EA leur disaient venez on a la bombe posée. Ils avaient juste à attendre, jouer leur strike. Vintage avait ses strikes déjà, il me semble, dès le troisième round. Après, derrière Tomé, qui a fait un festival, il était en série de 10 sur la fin en faisant la killcam finale. C'est terminé en tout cas pour les joueurs d'EA qui se retrouvent donc dans le middle bracket. Vous les retrouverez bien sûr demain, encore pas mal de matchs. Hein. Pour vous dire, là, c'était que la première journée et je pense qu'il y a encore des matchs explosifs à venir dès demain. Peut-être unique, tu pourrais nous dire peut-être une heure pour les joueurs demain qui voudraient peut-être... Vers les 1h, donc les midi 1h, on va plutôt vous dire 1h parce qu'il y a souvent un petit peu du retard. Donc vers les 1h, je pense que ça sera les premiers matchs. En tout cas, on espère que vous avez kiffé ce stream avec Death of France. C'était Zankyo et Lohan et on vous dit à demain. Ciao les mecs.